Bah oui. Hop, coucou la VOD. On s'en branle. On est chez Metal le Curieux. Coucou la VOD. Coucou la VOD. Du coup, bonjour. C'est intéressant de savoir ce qu'elle veut jouer. Oui, tout à fait. Il faut qu'on lui explique un petit peu. Un Terminator, c'est bon ou... Non, ah non, c'est pas le même jeu. Non, c'est pas le même jeu. Il y a quoi comme type de clash? Je suppose genre un mode sniper ou assaut. Alors, ce genre de sniper, moi comme ça, là, je te déconseillerais parce qu'en fait, on va vraiment affronter des hordes. Donc, ok, ouais, c'est ça. Là, en gros, t'es pas en mode tiens, je vais prendre le temps de viser l'oreille droite du mec. Lisa, elle lui faut du bourrin. Voilà. Je dis, Lisa, il lui faut du bourrin. Et ben, elle va faire prendre sur un et on ira devant toutes les deux au pire. Ouais. Ah, remarque, ouais. Rejoins-moi dans le surinage. Ah, carrément. Allez, carrément. Nickel. Kempen est en coop en ligne privée. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, je sais plus. Je crois qu'on était à Marseille, hein. Non, on avait fait le Japon. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on en était au Japon. On n'est pas fini le Japon? Il me semble qu'on avait fini le Japon. Ouais. Je crois, hein. Ce qui va être cool quand on aura fini toutes les campagnes, c'est qu'on va pouvoir passer en mode vague. Et ça, c'est très drôle aussi comme mode de jeu. Mais du coup, il va falloir refaire toutes les campagnes pour Lisa. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut que tu les fasses. Après, c'est surtout comme vous voulez. Moi, je suis là. Bah, de toute façon, nous, ça fait prendre de l'expérience à tout le monde, machin, tout ça, donc. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Alors, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai que j'étais fantastique. Bah écoute, moi je vous propose, on relance Marseille. Ouais. Ah oui, on s'était arrêté avant de commencer à Marseille, en effet, oui. La résistance à la française. Yes, on va lancer des baguettes de pain et des sabots et des bérets. Alors, il y en a une qui a un béret d'ailleurs. Ma place, c'était l'exterminateur. Je crois pas qu'il se joue en solo, non, Bastien. Bah après, tu peux jouer, mais du coup, tu seras avec des bots. Ah oui, avec des bots, voilà, c'est ça. C'est clairement, c'est pas un jeu solo, ça. Non, pas des masses. Donc, du coup, la classe, dans ce qu'on m'a dit... Surineur, c'est ça? Ouais, c'est super classe. Mais c'est un poignard. C'est du cac. Surinage F pour aller au corps à corps quand t'es vraiment cerné et ça nettoie de ouf. En plus, t'as un combo genre si tu tapes un moment, tu vas voir, tu vas passer en jaune. Ça veut dire que t'es au maximum de ta puissance, de ta force, tout ça. Et sinon, tu as ton arme tertiaire qui est en fait une tronçonneuse ou des trucs comme ça. Donc tu vas voir, c'est sympa comme tout. Ouais, comme tu peux avoir plusieurs armes. Voilà. C'est bien ça. La tronçonneuse. J'aime beaucoup. Tu peux avoir toi, quoi, c'est 3 ou 4 armes? Non, c'est trois armes. Une principale, une secondaire et une qui est limitée en munitions, en gros, quoi. En gros, t'as ta machette avec F, ensuite t'as un pistolet de base en arme principale, mais en vrai, tu la joues que quand t'as plus de balles ailleurs. Ouais, c'est vraiment T'as une mitrailleuse en deuxième arme, et en gros, c'est une arme très lourde en troisième. Après, t'as lance-flamme, tronçonneuse, c'est vraiment les armes de surin de base, quoi. Je veux pas vous presser, mais la partie commence automatiquement en 60 secondes. Hein. Tout le monde est prêt, en fait, il y a juste Lily qui choisit son petit truc, là. Ouais, je regarde les atouts principaux, là, c'est ça, il faut regarder en dessous aussi. Ouais. C'est ça. J'hésite entre ça et Exterminateur. Quelqu'un joue Exterminateur ou pas, parmi vous? Moi. Non. Si, Nico. Ouais. Oh, t'es relou. Moi, c'est Fantassin. Peut-être qu'un jour, je changerai, d'ailleurs, mais... Bon, c'est vrai que là j'ai quand même amélioré des trucs donc. Sinon tu prends infirmier. Allez, vas-y. Infirmier, très faible. Hein. Ah. J'ai l'impression que j'ai une pote qui joue infirmier et c'est très faible. Tu étais facilement à terre en fait. Hein. Ouais. Bon, je choisis 10 secondes. Ah ouais, 10 secondes, ouais, 10 secondes, attention. Bon bah voilà, j'ai cliqué, je sais pas ce que c'est. Exterminer de l'app, non? Ah bah non, t'es surineuse comme Bambi. Ouais. Donc nous on est devant en fait, notre rôle il est vraiment devant. Ok. Vous allez élaguer joyeusement. Battlefront 2 avec les gens du Discord, ça serait joyeux, tu m'étonnes. C'est clair. Bah semaine pro, moi je suis chaud pour tenter du Battlefront. Hein. Bah écoutez, pourquoi pas. Bon alors c'est quoi les touches déjà? Parce que est-ce que j'avais réassigné des trucs? Je ne sais pas. Putain.
Ouais, je pense que je vais redécouvrir les touches depuis le temps qu'on a pas joué. ZQFD F, c'est très très compliqué. Ouais, mais je crois que le F, il me semble que moi j'assigne généralement le F ou le voire le R, le rechargement à mes boutons de pouce de souris. Je trouve ça plus pratique. Ah. Bon, on va bien voir ça. Alors, faut trouver des antibiotiques, d'accord. Eh, hey, mais les antibiotiques, c'est pas automatique, contrairement à nos fusils. Voilà. Non, contrairement à nos gros canons. Ouais, ça va, c'est pas Terminator non plus, quoi. C'est pas Terminator non. A raison, quoi. Voilà. Non, ouais. Ah non, ouais, c'est bon, c'est pas au même niveau, merde. C'était bien cette blague. Quoi, Terminator? Non, absolument pas. Non, si on re-regarde le clip là, que Bambi vient de poster, on s'apercevra de la détresse morale à laquelle Lily et moi avons été confrontés ce soir-là. Ah non, mais le blanc que vous m'avez mis, sans déconner. C'était mérité, mec. Les gueux contre le patronat. Carrément chapeau. Grave. Alors, attendre d'autres joueurs. C'est qui a une copourrie? Je sais pas. Je sais pas, mais en attente aussi, moi. Chargement de la mécanique du jeu. Ouais, je sais pas, ça a l'air de traîner chez moi. C'est chelou. Ah, c'est bon. Ah. Allez, Nick. Il se passe des trucs. Yes. Nick, la cinématique. La cinématique, c'est pas automatique. Alors là on tire. Ah non, j'avais pas changé mes. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon gros fusil. Alors yes. Putain, c'est quoi cette crosse sans crosse là, c'est chelou. On a du silencieux. Okay. Alors, on est sur le vieux port. Alors justement, ça c'est un truc que je vais regarder, canne de bière. Putain, ça rame chez moi. C'est vrai? Ah moi, ouais. Ah merde. Ouais, moi chez moi ça va bien. Attends, on peut pas passer par là. C'était un étage au-dessus, Nico, ouais. C'est normal. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ah putain, mais j'ai une arme de merde là en coup par coup. Alors couvrez mon cul, je vais baisser les qualités graphiques, mais c'est probablement parce que j'ai le stream en plus. Hop, vidéo. Sans garde. Détail. Les munitions, elles sont infinies ou pas? Non, absolument pas. Ah putain, je balance une grenade sans faire exprès, hop, pardon. N'hésite pas à aller au cac devant si jamais t'es. Et le cac, comment du coup? F. Et sur une manette? Oh merde! Je vais être obligé de redémarrer. Alors je vais voir comment ça se passe, mais je risque d'être obligé de redémarrer le jeu si je change mes. Merde. Putain, alors, attends, moi j'ai changé d'épaule, comment est-ce qu'on fait pour. Ah voilà, X. Ok. C'est parce qu'en gros, sur un, tu fais le travail, quoi. Ah, j'ai fait quoi, là? C'est-à-dire, t'as fait quoi? Je ne sais pas. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la touche. Merde, non. Ok. Y a du tir ami ou pas? Je ne crois pas. Non, y a pas de tir ami. D'accord. Oh, j'entends du grou-grou à côté. Ah, ouais. Grou-grou. Ah, mais dites donc, calmez-vous. J'ai juste peur au moment où il y aura des hordes. Je pense que ça va mettre mon PC sur les genoux. On verra bien, sinon après la partie. Hop, cocktail molotov. Ah yes. Ah salaud. Salaud. Eh oui. Eh bien putain, il y a du mal à recharger ce film. Ouais, je sens le vomi. C'est moi ou ils ont un énorme accent français, les mecs? Bah c'est normal, on est à Marseille. Ouais. Ah yes, fusil de chasse automatique. Oui. Ah, c'est... Tu t'es fait cracher dessus ou quoi? Allez. Non, j'ai commencé à me faire manger le cul. Ah yes, bonne ambiance. Ah, je suis coincé. J'arrive. Avengers Assemble. Le port. Pourquoi veulent-ils qu'on atteigne Brutal?
Oh oh oh. Ouh bah. Mais niquez-vous. Ouah, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est, bah, c'est le viol. C'est ça le viol. This is the rape. Un gros... Ouais ouais. Un gros moche. Attention, alors celui-ci, Lily, faut lui tirer dans le dos. Ouais, il se tue que dans le dos. Le force spéciale CRS là. D'accord, c'est parce qu'il a un plastron. Non, c'est parce qu'en fait le point faible des CRS, en fait, c'est dans le dos, c'est leur colonne vertébrale, dans la vie réelle aussi. Ah, mais je suis perdu. Bambi, mais qu'est-ce que tu fais? Bambi, elle est perdue. Allez, viens, et à gauche, Bambinette. Ah, c'est là. Ok. J'étais malheureusement présent, c'était mon premier tour sur la chaîne. Oh, tout de suite. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une caisse à ouvrir, là. Pistolet lance-fusil, ouais, youpi. Pistolet mitraille. Mais c'est de la merde! Allez, oui. Bah, elle est loin devant, hein. Bambi est trace, hein. Faut pas se perdre, hein, sinon. Mais les surins, de toute façon, c'est des traceurs, donc. Ouais, mais c'est comme ça que tu te retrouves au sol aussi, souvent. Ouais, mais en fait, en théorie, on est devant, on fait la majorité du ménage, et c'est pour ça que vous nous relevez souvent. Oui. Il y a une trousse de secours si vous voulez, là où je suis. Non, ça va niveau vie. C'est bon. On voit où notre vie, du coup? À côté de... à droite. C'est les 4 barres, là. Ah, d'accord, ok. Ah non, ça va, là. Ah oui, elle trace vraiment brutal, traîne pas, hein. Ouais, mais je... Ah ouais, mais... Ah, il y a du vent partout. J'ai réussi à trouver une tronçonneuse. C'est bien, ça. Préparer les défenses, yes. Merci. Alors... mortier. Où est-ce qu'on va le poser, le mortier? On va le poser là. Voilà, putain, mais il y a du monde de ouf, là. Niquez-vous. Est-ce qu'il y a des armes intéressantes, là? Fille d'assaut. Ah, il y avait un supporter de Trump, je l'ai défoncé. Ah yes. Bah, il était gros avec une casquette. Comment c'est le combat? America Great Again. Tu veux, Lily? Ta-ta-da. Ah, préparer les défenses. Du coup, faut activer les pièges, c'est ça? Ouais. Enfin, tout ce qu'on est en train d'installer, là, tu vois, les grilles électriques, ce genre de trucs. Parce que du coup, il y a pas... Ah, défends les positions, ça y est. Enfin, la position. Ouh! J'avais pas vu! Ah bah y'a un lance-roquette là où je suis! Oh non, sans déconner, ils sont de l'autre côté là où je suis! Putain, non mais toujours! Toujours je me fais baiser moi! Oh là là! Je suis au cac moi! Wesh! Bah, je balance des obus au mortier! C'est cool. Moi j'y vais, gaillardement à coup de lance-grenade. Ah voilà, j'ai fini la mitrailleuse. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, oui, c'est ça. Premier finir les mitrailles, ensuite s'il y a des... Bon là on en a pas, mais en fait là c'est les mitrailleuses à la main et tu as des mitrailleuses automatiques, et celles-ci elles sont géniales. T'as juste à les recharger une fois de temps en temps. Oui. C'est la vie. Oui, c'est trop bien. Pas mal pour l'instant. J'entends un... Ah, ça vient de mon côté en haut là. Oh merde. Oh. Bah, les zombies ils volent chez moi. Ah d'accord. Ils ont muté. They change not pass. Hey Gandalf. Oula 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 oula. Oh ce flingue putain. Ah merde, 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 ils sont de l'autre côté. Ah, ça pue. Quel autre côté? Là. Mais c'est bon. Bah, je suis tout seul. Non, je suis là. Ah. Donc, j'ai pas posé mon mortier ici gratuitement, ça c'est plaisant. Attention,
Il est pas trop devant. J'ai pas fini le mortier. Il y a un flic qui va arriver sur le côté. Brutal sur le côté. Je ne l'ai pas vu. C'est bon. Mortier terminé. Si vous voulez aller plus en avant, il est là le flic. C'est bon. Ah bah tout de suite c'est un peu plus nerveux que... Je trouve que c'est même encore un poil plus nerveux que... Que des swings, hein. C'est différent. Ouais. Puis après bon, des swings en vrai il est pas oufissime non plus. Hein. Oui certes. J'attends beaucoup de Vermintide pour le coup parce que c'est vrai que des swings bon... Rien que par rapport aux capacités des personnages en vrai c'est pas délirant quoi. Certes, bon après si tu regardes World War Z, c'est pas non plus... Non mais après c'est pas le même, même objectif. C'est pas le même quoi. Univers quoi. Oh un échantillon de virus. Mais écoutez, ça a pas mal lagué au début de la partie mais là j'ai plus de lag, c'est cool. Ok très bien. Putain, là, mais y'a Bambi et Lisa qui sont en train de niquer tous les zombies. Les surins, ils font ça mal. Ça demandé, non? Oui. Ouais. Ah, voilà, ça c'est bien ça. Là. Voilà. Lily aussi, elle va avoir besoin de soins dans pas longtemps là. Ouais, vu qu'elle aura franchi la barre du 2 là, faudra la soigner. Yes, ça roule. Tu restes par terre. J'y passe le jeu là. On peut faire sauter le poteau incendie. J'arrive pas à capter ce qu'il faut qu'on fasse, non? Faut qu'on passe par la fenêtre. Faut qu'on passe par là-haut. Ah! Oh, une exposition d'art. De l'art contemporain pour Bobo Gauchias parisien. Hein, quoi? Voilà, Bambi! C'est bon! Bravo Lily! Y'a plus les petits cris de souris! Il est là. Ouais, c'est vrai. Bah, si c'est trop aigu, non, on les entendra pas pour l'instant. J'ai crié dans les aigus d'ailleurs. Bah ouais, mais du coup on l'a pas entendu. On t'entend mieux, mais on a plus les cris de souris. Bah écoutez, vous voulez ma vraie voix ou les cris de souris? Il faudrait savoir. Hein. Lisa, un peu des deux. Je suis là. Bah viens. Et les containers où il y a des points d'exclamation, ça sert bouge à quoi? Bouge pas. Oh putain, j'ai eu peur. Ça veut dire, en gros, il faut qu'on ait. Si tu trouves un pain de C4, c'est pour ouvrir ce genre de truc et souvent dedans t'as des nouvelles armes, voire des trucs de défense. C'est d'accord, et là je bien. Crois que ça va être un truc de défense. Nico derrière toi. Là faut trouver les caisses en surbrillance blanche pour pouvoir installer. Ah, tourelle automatique. Merci yes. Mon dieu. Hop, petit lance-patate. Donnez-nous une tourelle automatique s'il vous plaît. C'est pas grand chose ici là. Ouais, j'avoue, y'a pas grand chose, à mon avis, faut fouiller là. Je fouine. Alors là, j'ai un truc, j'ai un grillage haute tension. C'est quoi, Oh, LGM, c'est cool ça. Ouais, lance-grenade, c'est cool. Y'a pas beaucoup de munitions dedans, mais c'est cool. Wow. Oui, si je le mets là. T'as mis à rien, même dans cette petite ruelle isolée, quoi. Ouais, ça va être chaud, une patate niveau défense. Ah, j'ai une tourelle automatique. Ah. Je la mets où? Là. Dans ton cul, lol. Très très ouvert par ici, ça va être très chiant à défendre ça. Comme le cul de Nico, lol. Ils peuvent sortir par les grilles de métro? Ah oui, oui. Parce que là, il y a une grille de métro, là. Personne n'a de charge explosive, là, du coup. Non. Ok. Of Zik. Ah, ça y est, défend la fourgonnette, d'accord. Éliminé. Oh, là, il y a du monde, il y a du monde. Je cac. Qu'est-ce que c'est con un zombie quand même?
J'ai essayé la mitrailleuse, mais... Aïe, ah putain, je suis au sol. Ah non, c'est bon. C'est vrai que oui, j'avais... En fait, tu peux pas la tourner. Waouh. Oh, le flic, il m'est passé devant. Bah, c'est pareil, du coup, j'ai rien compris. Attends, j'arrive. Il y a tout le monde qui me saute dessus. Ouais, c'est quand ils sont trop nombreux, il faudrait qu'on reste ensemble si on survit dans une grosse masse. Et il est où Didier Raoult là avec sa chloroquine, hein? Bah il a l'hôpital de Marseille et puis il fait rien, comme dans la vraie vie. Je te laisse appuyer sur la touche 4 pour te soigner. Je suis en train. Je te protège. Ah moi c'est la flèche du bas mais c'est pas grave. Désolé. Ah oui c'est vrai. Ah là, c'est pas grave. J'apprends les touches en même temps. J'apprends les touches en m'amusant. Faut protéger des gens. Ils sont oh, cons les IA. Mais pourquoi ils partent pas au même endroit eux? Ils ont des disqueuses. Ah c'est bien ça. Je vais protéger l'autre avec Nico du coup je vous laisse les filles. Par contre il sait pas s'en servir hein. Wow. Y'a du monde chez vous les gonzesses? Non c'est bon, j'attends qu'ils foncent sur les lits. Voilà. Ah ouais. Je pouvais pas l'attendre autrement. Attention. Hop. Gaz vert, enfin reculer. Pour pas être dedans. Ah ok. Ouais on en a eu un aussi ici. Ok, elle est portée. Voilà c'est bon. Ok j'ai une caisse d'armement. Caisse d'armement là, brutal. Voilà, récupérer une caisse déjà. Ah, attention. Ok. Allez, ouf, plus vite que ça. Ah, il est pas rapide. Hein. Faudrait lui apprendre à servir de disqueuse. De ouf. J'ai envie de la lui prendre des mains, tu sais. Calmez-vous, les bricoleuses. C'est trop bien le bricolage. Ah, derrière. Ah. Oh, cet accent français, c'est magnifique. Ah, de toute beauté. Je vais... Putain, j'ai plus de munitions. Y'a une caisse de munitions pas loin, mec. Je ne sais pas où elle est. J'ai perdu je crois qu'on peut emporter qu'un seul. À droite, à ta droite, à ta droite. Ok. Ici. Ici, là. Ok, vu. Merci, mec. Ah, fils de pute. Ouais, faut que j'apprenne à tirer. Y'a un spécial, c'est quoi? C'est un spitter, ça. Un crasher. Un gerbotron. Putain, c'est une disqueuse Lidl ou quoi qu'il a là, franchement. Oh putain. Putain, j'ai plus trop tendance à faire gaffe aux munitions parce que vu qu'on a joué à Deathwing. Ouais, c'était qu'une seule. Déposé, ouais. Okay. Ouais, c'est vrai. C'est un Deathwing, les munitions sont limitées. Ah merde, ouais. On peut pas passer par là. Chiant ça. Oula, le métro. Attends. Je te couvre, si tu veux. Je remets la tourelle. Ah, c'est vert. Voilà. Ah, sortir de là. C'est qui est par terre? Ah, c'est le... Récupérer, c'est le bot. Ah oui, c'est là qu'on devait récupérer c'est le bot, ouais. Ouais. C'est bon, vous les avez récupérés? A priori c'est bon pour l'objectif. Ouais. Protéger les coupeurs. Oh Lily. Mais pourtant je tire. Voilà c'est bon. Et pourtant je fais les choses bien, je vous assure. Bambi, bouge pas. Ah ça arrive. Défendre vers la droite. Oh putain oui. Ah bah je vais caquer hein. Ça va faire. Oula. Nique sa mère. Mais. Allez, recharge, c'est bon. Merde. Hop. Wow. Ah d'accord. Ce qui est bien avec les zombies, c'est que t'as pas besoin de viser. Ouais.
Ah bah quand ils arrêtent comme ça pour taquer. J'ai plus de vie, je suis en train de me faire défoncer. Par ouais, contre... moi aussi, c'est chaud là. C'est chaud aussi chez moi. Venez à la fourgonnette. Bambi, qu'est-ce que tu branles? Ah non, Bambi est par terre. Non, que dalle. Non, mais vous avez zéro de vie. On est au zéro de vital. Mais ouais, mais il veut pas nous faire partir. Ah, je suis pas là. Je suis au sol. Oh merde, j'ai eu un CRS. Ah, j'ai eu un CRS, je suis morte. Voilà. J'ai tenté de finir vers vous. Ouch. Dame. Deux secondes, ça a pris deux secondes pour qu'on tombe tous. C'était magnifique, les dominos. Ouais. Bah ouais, mais quand t'es morte, l'autre, il a pas voulu nous faire partir. Y'a plus personne sur le chat ou quoi? Le dernier message que j'ai, c'est Chapeau qui disait un qui pue. Ouais, pareil. Moi aussi. Ah d'accord. Bon bah en fait, plus personne n'en a rien à foutre. C'est ça. Eh ben non. Ils sont où les 10 gens? Bah ouais, y a bon, alors, déjà y'a moi je suis sur le truc forcément. Moi aussi, ouais. Je retire le serpent. 152 victimes par explosion, merveilleux. Ouais. Pas mal. En même temps, j'ai brouillé sur le mortier aussi. Grande poche. Comment on voit les nombres de victimes? C'est dans les stats ou... Ouais, c'est dans les stats, ouais. Ah, ah merde, j'ai dû appuyer trop vite parce que... Alors là, du coup, tu as gagné un petit peu de sous et tu peux les dépenser pour personnaliser des armes, en fait. D'accord. On en profite pour bannir des bots. Ouais, ah oui, ouais. Je pense que j'ai eu pas mal de bots, d'ailleurs, Bambi, il faudrait qu'on voit ça. J'ai eu beaucoup d'abonnements qui... avec des pseudos qui se ressemblent. Mon nazisme va arriver chez toi fort bientôt. Oh oui. Et en fait, ouais, dans les personnalisations, en fait, tu personnalises des armes. Alors, c'est pas les armes avec lesquelles tu vas commencer, mais c'est des armes que tu vas trouver dans le jeu, en fait, éventuellement. Donc, c'est un peu perturbant, c'est bizarre comme truc, mais en gros, il faut que tu arrives, en testant des armes, à trouver le genre que t'aimes vraiment bien, et en gros, à bourrer les compétences dessus, quoi. Enfin, pas les compétences, mais la personnalisation. Et c'est un peu pareil. Améliore pour, pas tout, en fait. Améliore ouais, vraiment celle que tu utilises. C'est ça. Tu vois, là, j'ai quasiment 12 000 tokens jaunes et je les utilise plus parce que j'ai amélioré au max les armes que j'utilise tout le temps. Donc, Ah ouais, putain, trop bien. Alors... Bah, après, ça dépend. Parce que tu vois, moi, le fusil de chasse, c'est l'arme que j'utilise de base, par exemple. Ouais. Et lui, pour le coup... Attends, c'est quoi la version unique? Alors attention, ah, là, il reste une minute, hein. Bah là, visiblement, je peux rien améliorer. Non, mais là pour l'instant, non, parce qu'on a fait juste une run, une moitié de run en plus. Mais voilà, c'est pour t'indiquer ça, parce que c'est vrai qu'au début, on trouvait ça un peu chelou. Attention, 45 secondes. Yep. C'est quoi cette version unique que j'ai? Ouais, moi aussi. Il y a un truc en version unique, une arme qui est gratuite, qui est plus efficace que toutes celles que je peux avoir. Qui est gratuite? C'est quelle arme, Nico? Bah tu vois, par exemple, pistolet, j'ai un pistolet version unique qui est plus efficace que toutes celles que je peux avoir pour l'instant. Débloque à l'aide d'un DLC, moi. Et fusil de chasse, c'est pareil, j'ai un fusil de chasse en version unique qui est le même que celui de mon fusil de chasse masque, max. Ah, moi, c'est cette version se débloque à l'aide d'un DLC, il y a marqué. Pourtant, je pourrais acheter de DLC. Ah merde. Le fusil de chasse de combat, tu parles, Nico? Le fusil de chasse, quoi. Non, mais ça se trouve, en fait, en récupérant le jeu, j'ai pas forcément chopé les DLC avec. Ou alors, toi, tu as acheté le jeu, Nico, non? Ouais, ouais. Ah, et voilà, ça se trouve, t'as chopé les DLC avec. Nous, on a pris la version gratos sur EGS. D'accord, je sais pas. Possiblement, quoi. Non, mais chapeau, en fait, c'est des bots qui ont follow ma chaîne, genre quand je streamais pas. J'ai vu plein de noms qui se rapprochaient beaucoup, pour vous dire. J'ai Lunar Sec, Lunar... Bah là, ils viennent juste de suivre, il y a deux heures. Lunar Downstitch, Alpha Dos Lunar, Alpha Lunar. Donc bon. Alors ça, tu vois, c'est quelqu'un qui prépare un raid de bot chez toi. Ouais. Ouais, donc il fait follow en masse des bots chez toi pour pouvoir attaquer. Ça ne se passera pas comme ça. Ouais, bah on verra ça tout à l'heure.
Et ça fait quoi? Pour faire chier le monde. En fait, ils sont 500 à écrire des trucs hyper racistes ou de la merde dans ton chat en même temps. Et donc, du coup, tes modos et toi, vous êtes en panique. Enfin, ça te déconcentre de ton jeu, tout ça. Et en gros, ben, moi, en fait, il faut que je passe le chat en emote only. C'est peut-être ce que j'avais fait chez toi la dernière fois. Pour, ouais. Pour pouvoir nettoyer un à un tous les bots en les supprimant. Très long. Donc, du coup, à chaque fois que j'envoie, je supprime. Ouais, bah, normal. Et ils adorent faire ça sur des petits streamers. La pauvre Moufrou, là, qui est illustratrice, c'est pareil, là, elle s'est tapé une attaque de bot. Il a fallu 2 heures pour tout nettoyer. Putain, c'est vraiment des connards. Hein. Bah oui, c'est des connards, ouais. Ouais, il y en a qui ont vraiment que ça à branler, quoi. Ouais. Tiens, Brutal, un fusil de chasse automatique, là, si tu veux. Brutal est momentanément indisponible. Ah oui. Ah oui, merci beaucoup. Ah, j'aime ceci. Allez, putain. Hein ? Là. Ah, par contre, il va falloir qu'on m'explique l'intérêt de coller un silencieux sur un fusil de chasse. Bah, ouais. Bah, bah, ça fait du bruit quand tu tires. Peut-être que c'est, ça attire les gens. Non, non, mais même, ou... on, même en vrai, quoi. Oh, quoi. J'aime bien le body here, it's Marcel. C'est ça. Oh, it's Jean-Edouard. C'est pour ça que je parlais d'accent français tout à l'heure. Y'a quoi, y'a un truc là, non? J'adore Lily Carrion. Non, non, c'est moi qui ai dû balancer. Voilà, oui. C'est chiant. Bon. Toi aussi, t'explores, Brutal. Ouais, je regardais un petit peu s'il y avait pas un. Une charge explosive, voilà. Mais manifestement. Par contre, on va tracer parce que les filles, elles sont loin devant. Ouais, ouais, ouais. Je suis là. Ah bah, sur un, hein. Alors, people are going to die. Ouh, une fois qu'on a fait le ménage de masse. Ah, viol. Putain, quel enfer. Viol. Yes. Merci, les mignons. Ah merde. Y'a le NRBC qui était là. Y'en a un qui s'est fait passer pour la Chechua pour harceler une personne. Oui, j'ai vu ça dans une vidéo de Lusty ce matin. Ah. Y'a un flic. J'ai un flic au cul. Je me fais bolosser. Au secours. Ah. Ah putain, Nico, j'arrive. Oh pardon Nico, j'avais pas vu. Mais putain, il crève jamais. Voilà. Personne. En fait, t'es dans la chapelle, je te cherchais, tu sais, j'étais en mode, mais il est où ce con? Attention, grenade. Je me fais défoncer. Ah. Ah waouh. Trop tard. Il y a du tir ami en fait, du coup. Ouais. Pas entre nous, quand on sur une lune à côté de l'autre, bizarrement, je perds pas de vie. J'ai l'impression que les tir ami, c'est peut-être plus sur les genre les explosions. Ouais, les explosions. D'accord. Non, quand vous êtes aux mitrailleuses et aux trucs de défense aussi, vous m'éclatez. Ah. Donc en fait, hors arme blanche. Ouais. C'est ça, ce qui est bizarre parce que tu m'as décapité un certain nombre de fois, hein. C'est clair. Bon, donc. Niquez-vous! Aïe. Attention, il y a un puant! Hop, y'a plus de puant. Bah ouais, mais y'a toujours le nuage. Oui. Bah, faut qu'on s'assemble. Je fais le puant dans la nef. Très bien. La nef. La nef plus ultra. Oh, oh, oh. On parle de mon humour après, hein. Mais y a que chez toi que je fais ce genre d'humour, c'est pour m'adapter non, à toi, en fait. Je vais te punir, en fait, c'est pas... Oh oui, oui, Bambi, putain, punis-moi. Non, mais quand tu punir, ça va pas être plaisant, Matt. Ouais, je sais. Sors tes talons aiguilles et marche-moi sur les testicules. D'accord, donc note à moi-même, allez acheter des talons aiguilles. Ah, tu vois, hein. Bambinette, la coquinette. Oui, bien sûr. Non, alors ça non plus, c'est pas admis. Bambite, quoi. Pauvre Bambi, faut qu'on se calme avec Bambi. Une Bambite dans toute sa splendeur. Ah, je sais pas si on veut parler de splendeur, mais enfin... Ah, on en est pas loin. Hein. Est-ce qu'on va... Il faut descendre par le grillage éventré. J'ai eu un gros kaboom. Yes. Attendez, je suis derrière, c'est pas normal. Bah tu te traînes la bite. Yes, hein. Oui. Traînes la bambite. Calme-toi, Nico, tu es en humour.
Déplorable. Enfin, en même temps, on a Bambit, on peut avoir Nicolon aussi, hein. Nicole. Non, mais Nicolon, tu vois, pour continuer dans l'anatomie marrante. Ah, Nicolon, mais oui. Ah, c'est génial. Bah voilà, il est content. Attention, il y a un flic. Ah. Putain. Voilà, c'est bon. Après, c'est moi qui suis pété du casque comme CD et... Il y a Mavou qui est en train de s'offusquer. Ah oui, arme de combat avancée, ah oui, je l'aime celle-là. Ah oui, ah. Oh. Oh. Ok, on a perdu Lily, brutal. Le combat, oh, il va commencer de l'autre côté. Y a plus de mortal ou... Non, bah, regarde, on a Bambit, on a Nicolon. Bambit, Nicolon, Brutanal. Brutanal, je suis content. Pourquoi je crame, en fait. Et Lily... Putain, Lily, c'est pas évident, ou Lisa... Bah, du coup, il y a Lisanal aussi, mais c'est pas marrant. Ouais, Lisanal... Ou Brutalcoolique, mais ça marche pas. Ah non, non, bah non, non, moi je bois pas, donc c'est pas marrant. Non, mais Lisanal... Alors que j'adore les culs, tu vois, Brutanal, c'est cool. Ah, tu vois, j'avais raison. Bambit, c'était bien par là que ça allait arriver. Ah. Oh, ce flingue, oh là là, quel bonheur. Fais une tire à laquelle, j'arrive. Ah. Oh mais non. Merci. Yes. Ah, j'entends un zombie qui me susurre des mots doux à l'oreille. Où es-tu, petit coquin? Ah oui. C'est bon. Ah, bah pourtant il m'a... Ça l'a pas empêché de me jeter dessus, hein. Ah oui, alors par contre, j'ai rien pu faire par rapport à ça. Putain, encore un flic, mais merde. Oh, j'ai pas esquivé. Non, on a vu. C'est bon, je l'ai tué. Ah putain, le personnage de Bambi, il a fait au revoir. Ah, y a des mecs avec des ceintures explosives, quoi. Bah en même temps, on est à Marseille, hein. Ah, franchement, je sais pas pourquoi il y aurait des ceintures de coke à la rigueur, mais... Non, Lisa, va au coq, toi. Oui, bah... Ah putain, y a ma pote Caro qui a dit Clilito. Clilito. Clilito, c'est pas mal, Clilito, c'est mignon. J'aime beaucoup. Tiens, vous pressez. Et oui, je compense, oui. De partir, hein. J'attendais juste le surnom de Lisa. T'es sérieuse? Oui. Oui. C'est plutôt pas mal. Mais... Il y a un hurleur quelque part, putain. Ouais, mais il est au niveau du port, là. Vers la première vague. Ouais. Il va ramoter du peuple, c'est con. Trop bon le Brutanal, dit Bastien. Oups. Je l'ai tué au couteau. C'est mis à voler, c'était incroyable. Bah, ah putain, il y a un qui pue. J'ai pas compris. Bon bah visiblement on peut les tuer au CAC aussi, les CRS, mais par derrière aussi pareil. Ouais, forcément. Bah, c'est comme ça qu'ils font aussi avec leur matraque, hein, généralement. Derrière toi, Nico. Ouais. Hop. Allez. Allez, il faut interagir maintenant. Si quelqu'un veut bien taper un point d'exclamation aventure avec un S, vous allez avoir une jolie surprise. Cours, je me fais manger. C'est bon, Nico. Merci. Alors, dans le chat, est-ce que quelqu'un veut bien taper aventure, enfin, avec un S. Aventure avec un S, s'il vous plaît, dans le chat. Salut, Megales. Salut Miguelès. Putain, faut encore que j'aille prendre des munitions. Putain, elle est monstrueuse cette arme. Ouais, mais il est ultra loin. Mais il nous fait chier.
Hop. Bonsoir, Megales. Rejoignez les aventures de Bambit Nicolombo. T'as fait une faute, Bambinette. T'as mis aventure avec un A. J'adore. Un Bambi. Ouais, quoi. T'as fait une faute, t'as mis aventure A-V-A-N. Non. Non. Ah si, dans le dans la commande, si. Les aventures. Ah, dans l'aventure, mais qu'est-ce que... À quel moment? Ah, il me mais je suis fatigué, moi. Petit misclic, ça arrive. Ouais. Ah, y'a un gros. Voilà. Ah, comment le réparer? Moi que je l'ai tué. C'est bon. Personne n'a entendu le bruit que je viens de pousser, ça me rassure. Bah ouais, putain, bah ça fait chier. C'est pas drôle. Oh, viens. C'est bon. Du coup, ta commande est parfaite, ma petite bambinette. Ah ouais. Bien les 1 heure de retard, ouais, pas mal. Non, aventure avec un E. Ouais, c'est aventure. Mieux. C'est mieux. Ah, je récupère un échantillon de virus, je sais toujours pas à quoi ça sert. Les folles aventures de Bambit, Nicolombo, Brutanal et Clilito, franchement, j'adore. C'est merveilleux. Ah, je vous en prie. Ah, ça ne vient pas de moi en plus, donc... Et du coup, merci à Ziggy Boom Boom d'avoir trouvé Clilito. Ouais. Ah ouais. Caro, tu déchires. Crash Pest, RPZ. Mais du coup, ouais, Clilito, c'est trop mignon. Mais on comprend pas vraiment que c'est Lisa, tu vois. C'est ça qui est dommage, je trouve. Bah, pour l'instant, ce sera Clilito. Après, si on trouve mieux. Si on trouve mieux, voilà. Faut forcément que ce soit en rapport avec, avec des parties génitales ou pas. Bah non, parce que tu vois, moi j'ai Brutanal. Ah putain, on a entendu un petit bruit de souris quand même, hein. Petit, très petit. Ouais. Parce que un truc simple, ça peut être Lizaft. Mais... Lizaft. Ouais. Mais bon, c'est. Ouais, mais Lizaft. Vous avez une bon, maladie vénérienne qui commencerait par un A, à tout hasard. Alors, il y a l'aménorrhée, mais bon, c'est pas une maladie vénérienne. Ouais, pas tellement. Hein. Même si on le vit comme tel. Vu le nom, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir ce que c'est. C'est par rapport au ketchupi des madames. C'est la perte temporaire voire définitive de tes règles. Ouais. Oh, alors j'ai un mortier, où est-ce que je le place? Ah. Où tu veux. Aïe, je suis morte. Ah, presque. Je suis presque morte. Non mais elle a un point de vie. Sauvez cette femme. C'est bon. Ah putain, mais non, viens là, Lily, bouge pas. J'ai pas bougé. Viens là, mais je n'ai pas bougé. On touche les fesses quand même, voilà. c'est bizarre. Hein. Ouais, mais je suis là. Hein. Ouais, bah oui, voilà. Il est raccord, hein. Ouais, c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Oh putain. Non, mais ça peut être. T'as la meuf, on a joué une fois ensemble. Ah, c'est vrai, c'est le dernier des dégueulasses, ce mec, putain, je supportais pas. Je suis d'accord. D'accord, oui, non, mais toi, tu. Oui. Du coup, on fait des petits surnoms, Brutanal, le mec qui est toujours par derrière, ou... Yes. Si, c'est beaucoup, c'est bien, moi j'aime bien. Oui. Il y a une tronçonneuse, je sais pas si vous avez les tronçonneuses, les filles, là. Ouais, déjà, ouais. Ok. Ouais, ouais. Je vais la prendre, moi j'ai pas d'armes lourdes. Putain, j'ai une clope sur mon oreille, j'avais pas fait gaffe. Incroyable. Allez, c'est parti pour le mortier. Comment? Et Caro qui dit Lisa Pandis. Ah, Lisa Pandis, ouais, c'est rigolo. Ah, Lisa Pandis, ouais. Aïe. Wow. On a l'impression qu'ils jouent au tennis avec la tronçonneuse quand même. Ils ont des bras quand même, hein. Ouais, j'avoue. Oh la vache. Oh là. Je me dis aussi, mais putain, c'est un peu mou, hein. Bah non, en fait. Ça te change de ta bite? Grave! Oh! Ah, pour une fois qu'elle était bien! J'avoue! J'avoue, elle est de quoi elle s'habite? Aussi! Pas assez. L'homme qui ne faut jamais tourner le dos, ouais, bien vu, Bastien! C'est un petit peu ça! J'ai besoin de munitions de manière urgente! La subtilité, le retour. Ouais, c'est ça. Oh non, faut protéger les deux teubés. Et ouais. Évidemment.
Pardon, les deux Tobé, tu parles de nous là? Ah non, tu parles, d'accord. Mais non, je parle des bots. Mais. Mais non! Ah bah voilà, il s'est fait violer. La tronçonneuse, elle peut pas ouvrir la caisse, franchement, parce qu'il utilise une disqueuse, alors. Disons que une disqueuse, c'est censé être plus approprié. Non mais en fait, depuis tout à l'heure, je me retiens de lui arracher les mains, genre, donne, vas-y, laisse-moi faire! Putain, y'a Lisa. Ça sort du métro, ça sort du métro! Ah ouais? Laisse pas Lisa toute seule enfin! Bah, il est où tonton là? Voilà. Ah putain, y'a un flic! Ouais, j'ai vu, ouais. Tu me dis si t'es touché? C'est bon. Mais en fait, ouais, j'ai un flingue qui est tellement bourrin que j'arrive à péter. Lise avant-bras! Oh! Lise avant-bras. Ouais, mais c'est mignon l'avant-bras. Bon, sauf qu'on ouais, quand t'es dans un cul. Mais... quand tu te le prends dans le brut anal. Hein. Ou dans le Nicolon plutôt! Ou dans le Nicolon, ouais. Amoebose. Amoebose. Une MST avec un A. Une Amoebose. C'est le bot. Okay. C'est quoi une amoebose, Mavou? Ouais, c'est, faut un truc peut-être plus connu, tu vois, moins obscur. Les abdomens. Ah, les abdomens, oui, évidemment. Bah, les abdos, tu me verras, ça lui va bien. Hein. Ah oui, c'est vrai, vu qu'elle est plus costaud que toi. Ouais. Il reste une caisse. Ouais, j'y vais. Ouais, je la prends. C'est bon, je suis dessus. Ah bah non, en fait. Ok. De partout, là. Attention, il y a un gros. Un CRS ? Ouais, il vient sur moi. Je suis au sol. Ah non, c'est bon. Ça vous arrive, putain, j'oublie à chaque fois que j'ai cette capacité. Yes, voilà. Bien vu. Y'a quelqu'un qui se fait. Ouais, c'est bon, c'était le bot. Ok, bien joué. Ah bah, il s'est barré le Cooper. Donc. Putain, je cracherais pas sur une petite trousse de secours, personnellement. Mon meilleur jardinage, là. Tenir la position. Ouais, Bambi, tu pars moins loin cette fois. Ouais, oui. Non, mais je voulais aller à la source, mais bon, la source m'a pas laissé revenir. Ah bah là, la source, elle est bien là. Y'a un peu de monde. Un peu. Putain, mais crève toi. Wow! Fond. Ma place. Elle est là. Ça va arriver. Bambi, ramène-toi. Non, j'ai fausse alerte. Je sais pas pourquoi l'objectif il a changé d'un coup, mais. Putain, elle est trop mal placée. Il y a un CRS. Oula, oui. C'est bon. Là, elle est là, c'est pour une fausse alerte, c'est pour de vrai. Go. Yes, putain. Bravo. Valisectomie. Ah ouais, non, c'est... Ouais. Eh non. Ah ouais. Puis bon, c'est pas une maladie. C'est la méniscectomie, mais je connaissais pas. Non, puis c'est pas une maladie, la vasectomie. Ou faut que ça commence en lit, sinon. Lili quelque chose, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est pas évident. Hein. Soit Lisa quelque chose, soit Lily quelque chose. Putain, comment ça s'appelle le nom scientifique de quand tu fais une descente d'organes? Prolapsus. Et Lilliput, ça marche pas. Lisa Hort. C'est un prolapsus que tu disais, mais... Ouais, c'est ça, mais non, mais ça passe pas.
Ça ne passe pas très bien, non. 680 zombies j'ai tué, dis donc, ouais, incroyable. Comment j'ai fait ça? C'est fou. Alors... Syphilise. Syphilisa, en même temps, c'est vrai que ça marche, hein. Ouais, Syphilisa, c'est vrai que ça marche. De quoi? Comment? Je vais chercher un pull. D'accord. Bien vu, Bastien, ouais. En mode Théo, quoi. Ouais. Très bien, donc je vais augmenter ça, c'est cool. Ah, des échantillons, de virus, pardon. Ça donne quelques points bonus. Voyons. Alors, Ah bah donc voilà, je combat. Arme de combat avancée, voilà. Alors là, pour 500 balles, je vais avoir un truc plus puissant encore, mais c'est ridicule. Maniement, chargeur. Plus 5, ah oui. Ah, je peux commencer avec des mines clés morts, ouais. Ah, ça peut être utile sur les phases de défense d'objectifs. L'illibido, c'est rigolo. Ah si, c'est rigolo. Ouais. Syphilis. L'illibido. Mais moi j'aime bien syphilis, c'est vrai. Ah, syphilis, c'est pas mal. Les ligaments, ouais. Ou syphilis. Juste syphilis. Ou syphilis. Ou syphilisa. Ouais. Mais après, le truc, c'est que ce serait la seule à avoir un nom de maladie. C'est quand même pas cool. Parce que tu vois, moi j'ai anal. Bon, anal, ouais, c'est. Voilà. Toi, t'as colon, du coup. Il y a bambite. Mm. C'est pas des maladies, en vrai. L'illibido, bon, c'est pas une partie du corps, mais voilà. Et le cul. Lol. C'est rigolo parce que le cul. Mais on avait dit Lisanal, Gigabang, mais le truc c'est que bah y a déjà Brutanal quoi. Ou alors on trouve un autre truc pour moi. Non, on va avoir le même problème. Bah on oui. On risque d'avoir le même problème, tu vois. Syphilisa. Syphilisa, je trouve ça rigolo. Après, il faut pas que ça te dérange quoi. D'être la seule à avoir une maladie dégueulasse. Ouais. Attends. Moi, si je peux trouver un truc. Non, tu peux m'appeler l'hépatite Bambi, hein, en soutien. S'il y a que ça. Les petites bambis, j'aime bien. Allez, c'est parti. Attends, Lithosa, ouais, c'est pas vrai. Ouais. Lysanatomie. Ah, Lysanatomie, oui. Est-ce que l'idée est de donner un thème nouveau? C'est pas le même jeu que l'autre fois, si. Alors, c'est pas Deathwing, non? Ah non, c'est pas Deathwing, non, pardon. Là, c'est plus visible pour vous. Déjà. Oui. Yes. J'ai pas arrêté de la soirée. Sans blague. Le désespoir d'une femme. Ah ouais, je te jure. Non, on peut plus l'outil, je vais faire un peu péter la gueule. Hein. De l'hépatite Bambi. Ouais, bon, ouais, je sais pas. Ouais, hépatite Bambi, c'est rigolo, mais Bambi, ça faisait un jeu de mots direct avec... Alors, ce qui est rigolo là comme ça, c'est que du coup, pour les filles, c'est des maladies, et pour les mecs, c'est le fion, quoi. C'est ça. Le fion. Le fion. Le bon fion. Ou alors, on trouve un nom de maladie avec Bambi, quoi. Mais genre, pas juste l'hépatite Bambi, mais vraiment un jeu de mots entre Bambi et un nom de maladie. Sinon, on va rentrer dans les termes. Mais après, ça dira rien à personne. Mais l'isaxis, ça marche. Ah, moi, c'est du coup, ça me fait penser à la 6-axis qui était la première version de la manette de la PS3. Alors bon. En fait, l'axis, c'est une vertèbre cervicale. Ah ouais, mais bon, ouais. Lisa, si t'es prête, fais prête. Hein. Ah, pardon. Bombe hépatite. Les mecs sont les trous du cul, les filles, les infections. C'est ça, ma Lizizi. Lizizi. Bambi, t'es Lizizi, quoi.
Les meufs sont des bites, les mecs sont des culs. C'est ça. Je trouve ça rigolo. Du coup, tu n'es pas prête, Lily? Bah, en fait, je cherche pour dépenser les... Nicoxis, c'est pas mal. Pour chercher les... Enfin, pour dépenser les trucs, mais sur les armes... 5 secondes, 5 secondes Au moins, c'est bon, du coup. Enfin, je vais mettre prêt, mais... Ouais. Mais je vois pas, en fait... j'ai vu, là, les... au niveau de la classe... Ouais. Comment améliorer certaines choses. Ouais. Mais pour les armes, je vois pas les améliorations. Ouais, c'est parfait ça. Bambit, Nicolon, Brutanel et Lizizi, c'est génial. Ah, c'est cool. pour les armes, en fait, il faut que tu, comme je te disais, tu repères une arme que t'aimes bien et ensuite tu achètes les améliorations correspondantes au fur et à mesure. Du coup, là, j'ai lu atteindre fort Nicolon. J'ai pas compris tout de suite. C'est vrai que là, c'est plutôt bien tombé. Et dans la poésie à l'état pur. Ah oui. Ah ouais. La Lisanus, classe, non, la chiasse, en effet. Lisanus, oui, il y a Lisanus, en ouais, effet. Ouais, mais je suis moins tentée que Lizizi. Tu vois, Lizizi, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. En même temps, c'est dégueulasse. Ouais, j'aime bien Lizizi. Lizizi, c'est bien. En plus, si ça te convient, allez, c'est cool. Voté. En plus, quand tu le dis vite, on dirait que qu'on dit Lizizi. Voilà. N'empêche que t'as eu les trucs mignons parce que le clito et puis le zizi, ça va quoi. Ça va. Ouais, ça va. Ça va ensemble. Salut Enella. Salut Enella. Bisous. Bonne nuit. Bisous Enella. À bientôt. Mais les gens qui popent dans MMP pour me demander des abonnements, c'est comment? Eh les gars qui font ça, vous êtes des blaireaux. Non, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui ne se fait pas, mes amis. On ne va pas dans les. On va pas dans les MP des gens. Non, mais je crois pas que ce soit des gens du chat, mais vraiment, ça me saoule, quoi. Bah, il n'en demeure pas moins que. Voilà, vous êtes des blaireaux, c'est tout. Ah, mais c'est des gens de chez Gus, ça s'explique. Hein. Vu que c'est des gosses, je pense, la plupart. Non. En vrai, on est plus proche des trentenaires. Ouais, s'il y a quelques ados, mais. Aïe, ah, je suis au sol. Ah non, c'est bon. Mais ni que toi. Pas un petit secret ici. Je suis déçu. Non, mais c'est juste qu'ils ont l'habitude de me voir filer des abonnements à l'appel et donc ils sont en mode je vais tenter ma chance. Ouais, bah. Il est con. Je donne quand j'ai envie de donner et c'est tout. Bah oui. Et déjà, tu donnes bien trop, Bambi. C'est une discussion que j'ai pas encore envie d'avoir. Ah bah y en a un qui se pose des questions sur le sens de la vie en se mettant des coups de tête dans le mur. Ah mais putain, j'ai l'impression d'être dans un jeu de fête foraine. Le sens mais de la vie, tu veux dire le sens de la mort plutôt parce que. Ah oui là. Bah ouais, mais si. Mais. Oh putain de perspective de merde. C'est un plaisir le cac hein. Vraiment. Ça rentre comme dans du beurre. Comme papa dans maman. Exactement. Et maman, on la connaît, hein. Wow. On veut pas savoir ce que tu fais avec ta maman, Matt. Non, hein, pas tout. Pas... Bah attends, le stream, il est 18 plus, non? Ah. Ah. Ah, y a un qui pue. Y a un qui pue, oui. Je vais l'appeler NRBC, en fait, voilà, c'est ce qu'on... Non, ça, je l'ai pas essayé. Non. C'est quoi, NRBC? C'est... Ah, je suis par terre. C'est les risques bactériologiques chimiques. Enfin, ah. Arrête de te la puter. Par contre, je veux bien qu'on m'aide en fait. Bah, j'arrivais, j'étais en train de me désinfecter, sinon j'allais être. Mais ils sont les autres, franchement là. Bah, ils servent à rien, c'est des mecs, hein, comme d'hab. Vas-y là, y'a un flic qui arrive là. Oui, bah débrouillez-vous-en, hein, on a tout nettoyé. Voilà. Ah, je te jure. Maintenant, j'ai même pas deux barres de vie à cause de vous là. Tu veux un abonné sans rien faire, c'est grave. Ah, bah merci. Bah oui, bah c'est oui, Bambi, il faut quoi. Bien, hein, c'est pas eux qui vont te soigner, hein. Non. Ils soient quoi? Bah ouais. vu que vous m'avez laissée toute seule, bah du coup j'avais perdu toute ma vie. Alors moi, j'ai une excuse, j'étais vraiment en train de me désinfecter, sinon je t'aurais bouffé, Lily. Oui, non mais t'inquiète, mais... Mais vous les gars, c'est quoi votre excuse? Moi j'étais en train justement de me désinfecter aussi, en fait. Quoi? Et c'est à ce moment-là que le mec, il est tombé. Ouais, on s'est fait cracher à la gueule, là. Bah ouais. Yes. Par nos coéquipiers et les zombies.
Mais non, oh, tout de suite. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on vous a donné voix au chapitre? Je ne crois pas. Mais quand même. Que ça passe déjà, alors c'est vrai. Oui. Oh, une bonne soirée. Soirée sans inceste, c'est pas une bonne soirée. Il y a des défenses. Il y a des caisses. Yep. Ben on va tout mettre, hein, puisque de toute façon, visiblement, si on fait pas les trucs. J'ai réussi à avoir. Écoute, moi je tue du zonzon, c'est tout. J'adore comment t'es dit ça avec une voix d'enfant. Moi, les petits zonzons. Les zonzons. Les zonzons, quoi. Il est où ce. Il est mort. Faut le fumer parce que lui il attire du monde. Il est mort. Tu te calmes, Bambi, il est mort. Ok. Oh, lance flamme lourd, salopard. Merci Nicolas pour ton active participation. Ah, nous on est intéressé par les gros flingues, ok. On peut pas tout faire. Je serai mon souvenir. Et j'ai trouvé un lance-flamme lourd, je vais pouvoir purger. Ah oui. Le mec il voulait être prêtre dans une autre vie. Ah. Oh pardon Lily. Pas de soucis. Tenez votre position. Je me suis dit, il y a une ombre derrière moi. Où sont-ils ces petits bâtards? Oula, bah ils sont sur le... Sur le pont d'Avignon, on y lance. Ah oui, dis donc, ouais. Non, Nicolas, tu sors. Rigolez pas, on l'a vraiment fait sur le pont d'Avignon en plus. Les gens nous auraient aux alentours nous ont regardé bizarrement, on n'a pas compris. Bonk. Mais bon, je te laisse alors. Oui. Te laisse pour j'aime bien quand ça explose. Alors, Putain de flic là. Oulala. Je vais suriner. Ça grimpe à gauche à droite. Moi je suis à gauche. Attends. Oui, ouais, vas-y Nico. Oh putain, ah oui, ça grimpe ici aussi, d'accord, ils grimpent tous devant, très bien. Ouais, c'est la merde en fait. C'est quoi ce gros. Ouh. Lui il a explosé. Ouais, y'a un qui. Bien, les munitions c'est où? Nico l'Inquisiteur, ça sent le Warhammer. Eh bah écoute. Ah ouais, je les touche d'ici, c'est cool. Je suis la voix de l'empereur. Ah merde, j'ai plus de lance-flamme. Ah bah ouais, ça y est. Il est passé d'une voix méga grave à, tu sais, vraiment la voix du mec à 20. Et ça monte là à gauche. Ah, ouais, j'ai plus de putain, ouais. Bien sûr, hein. Ah oui, je suis con. Les cocktails molotov. Regarde. En derrière aussi. Je prouche. Oui, bah ben, on peut pas être partout. Y'a des trous dans tous les sens. Titre. Ouais. Chips. Putain, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, j'entends un comme ça là. Il se racle la gorge. Pour redémarrer le ascenseur. Qui redémarre l'ascenseur? Je vais redémarrer le ascenseur parce que sinon on va mourir. Lily, attention tes fesses. J'étais en train de regarder derrière donc. Je ne t'en fais pas, je m'occupe de tes fesses. Yes. Ça commence à parler là. C'est le thème de la soirée donc je reste dans le thème. Parce que thème c'est aussi un surnom pour ton cul. Bah, je sais pas, j'essaie de comprendre. Je pose des questions moi, c'est tout. C'est bizarre, tes questions concernent beaucoup le cul quand même. Oui, le cul. Parce que c'est rigolo le cul. Ah oui. J'ai mis les tourelles automatiques hein, parce que ça devenait le bordel. Merci Lily. Heureusement qu'il y en a une qui bosse.
Non mais je reviens pas l'autre. Putain mais c'est clair. Tout à l'heure je suis en train de les cramer Warhammer style. Ça grimpe. Bon vite les gars, à un moment donné faut s'arrêter hein. C'est bon, chasseur. Ah mais tu pues toi. Vu vos pseudos, lol. Les gisons de nos pseudos, ils sont très bien, nos pseudos. C'est clair. Très bien. Les pseudos, ils sont tout mignons. Allez, les c'est allez, allez. Mais tu vas pas parler. Je sais pas. Je suis drôle. Je sais pas, moi je. Voilà. Ah oh, bah tiens, juste quand il y a un flic qui arrive là. Parfait. Somebody hit the button. Par contre, si personne n'active l'ascenseur, on va attendre longtemps. C'est vrai. Lily, ouais, bouge pas, viens là. Ah non, c'est. Aïe. Mais pourtant, il m'avait dit activation de la trousse de soins. Voilà. C'est chelou. Bon bah merci, mais je bah, sais pas. Lance croquette. Prends comme un ballon, voici je n'ai qu'un citron, salut Pac-Man. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Putain, alors que moi j'ai la famille tortue qui m'a pas quitté de l'après-midi. Oh non, la torture. C'est la famille torture en fait. La maison n'a jamais son nez. Ah oui, c'est marrant ça. Je vous annonce tout de suite que c'est mon alerte de raid. Hein. Ne me raidez jamais. Aussi. Oh non. Aussi. Ou alors je te raid mais je coupe le son. Oui, mais c'est la version debout de Monster ici, donc ça fait toute la différence. Et compagnie. Ah si c'est la... Si c'est... Tu veux bien me refaire ce que t'as fait, Bambi, là, s'il te plaît. C'est clair. Regarde de combat avancé, oui, enfin. Je suis pas le seul à avoir des orgasmes en récupérant des armes. Le plaisir. Moi, je suis content, je l'ai trouvé. Ça arrive beaucoup de mon côté. Ah non, ils sont trop loin, c'est que du décor, je pense. Quand même, hein. C'est quoi toute cette populace? C'est oui, les sages. Oui, il y a du monde, oui. Gaspard. Alors j'ai une tourelle automatique dans les mains. Cover for Marseille. Voilà, j'ai les missiles, faut faire quoi après? Faut les charger dans le lanceur. Ah chouette. Putain, on peut... Mais bordel, pourquoi est-ce qu'ils visent par là? C'est de la merde. Alors, interagir. Un secours. Qu'est-ce que tu fous? Ah. Boum. T'as pas du tout tiré au bon endroit, la camarade. Attends. Eh oh. C'est compliqué, hein. Y'a un keuf. C'est bon. Y'a plus de keuf. C'est quand on fait pas. Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Charger des missiles c'est dans bon. Le lanceur, c'est bon. Charge. Ah, au secours! Je me fais manger! Oui. Ah, merci. De rien. T'as chargé les missiles? Bah non, je pouvais pas, j'ai pas pu puisque personne me protège le cul. Oh dis donc, ouais. T'as fini de râler. C'est bon, j'ai chargé des missiles. Ah, attends. Je bosse pas, on se plaint. Je bosse, on se plaint. On est française, évidemment qu'on se plaint. Ouais. Vas-y, tu peux détruire le machin du coup. Alors... Ah bah bravo. Beaucoup trop. On peut se foutre de ma gueule hein. Ah mais la perspective est hardcore hein. Ouais t'as vu, elle est dure hein. Comme ma bite. Non. Ah merde. Bon normalement il est bien placé. Là il faudra plus le bouger quand on tirera.
Vas-y, je vais récupérer les missiles alors. Pardon ? Pardon. On peut se foutre de la gueule de Borby, mais Lisa est pas mal aussi quand elle s'y met. C'est clair ? Ah, y'a un creeper! Creeper, je m'en occupe. Je te laisse récupérer ça, je suis. Ouais, j'y vais. Ah, super, j'ai une missile de défense. J'ai récupéré une tourelle auto ici. Ah. Oh, joli! Merci. Des années de pratique. Pratique, le mec il parle anglais! Bah ouais, mais c'est parce qu'il est habitué à parler au niveau international, tu vois. À force d'être une star. À force d'être une star, ça, tu sais. T'as dit qu'il était bien réglé, hein? Ouais. Ah! Je te fais confiance, hein? Faut que tu détruises le. Ah, faut que tu détruises le tunnel maintenant. Ouais, mais j'ai plus de missiles. J'en ai. J'en ai aussi. J'en ai, ouais. Vous en avez aussi ? Okay. Je suis en train de charger. C'est bon. Ok. Vous le faites ? Y'a un flic. Je m'en occupe. C'est bon pour le flic. Je vais caquer, moi, parce que. Oh putain, y'a masse monde. Ouais, mais les droits, là, ouais, c'est bon. Oh, non, ça passe. Y'a masse monde. J'arrive. J'aurais besoin que quelqu'un se mette derrière le machin pour m'indiquer, parce que là, la perspective est dégueulasse. Ouais, mais là, tu m'en demandes beaucoup, je suis dyspraxique. C'est pas moi qui vais t'aider, hein. Y'a du monde derrière nous. Trop à droite, trop à droite. Qu'est-ce que tu peux faire, Nico ? Faut que tu te mettes derrière le machin pour m'indiquer si je dois tourner plus ou pas pour être face au... Tu vois la cible, toi ? Ouais, alors tu te décales légèrement sur la gauche. Comme ça ? Encore un peu. Comme ça ? Ouais, et normalement, au niveau de la hauteur, ça devrait être bon. Vas-y, essaye. Allez, go. Allez. Yes! Bien, wesh! Bravo! Et le dernier. Attends, je recharge, j'ai récupéré des missiles déjà. Ah, parfait. Bien, wesh. Voilà. Alors, ah, après, dis-moi, les gars, dis-moi, parce dis-moi, que dis-moi, je vous entends. Va vers la droite. Comme ça? Encore? Non, encore un. Va vers un tout petit peu à gauche. Deux fois. Voilà, stop. Et maintenant, normalement. Ouais, vas-y, c'est bon, tire. Yes! Nickel! Parfait, bravo! Après, les gars, dans le chat, je vous vois râler parce que RIP bossait qu'avec des femmes. Je confirme pour avoir bossé avec des nanas, enfin que de, avec des nanas, que c'est un enfer, mais c'est pas mieux de bosser que avec des mecs. Hein, pour l'avoir. En fait, c'est mieux de ne pas bosser. Tu te manges des réflexions misogynes toutes les heures. Ah, bah oui, certainement, j'imagine. Ouais. Oh, ça ouais, ça dépend. Un milieu 100% féminin, un milieu 100% masculin, c'est pas mieux quand t'es en minorité. Hein. Mieux vaut ne travailler qu'avec des petits enfants. Ah, Matt, t'as pas le droit. Tu sais me parler. C'est toi qui les mineur, c'est ça? Bon bah cool. Alors, 275. Putain, je suis nul. 748 zombies, pardon. Chasseur de tête, la vache. Pourtant, je suis à la manette. Putain, 127 victimes par explosion et Lily et Bambi n'en ont fait aucune, forcément. Bah ouais. Bah ouais. Non, on est sur une autre, c'est pas notre taf. C'est clair. Moi, je suis niveau 23. Oui. Ça aurait été trop drôle qu'il soit derrière nous, tu sais, par explosion. Moi, ouais, c'est clair. On aurait vraiment rien branlé. C'est ça, ouais. Recharge gratuite. D'accord. Des pistolets paralysants, mais c'est nul les pistolets paralysants. Ah ouais, on est d'accord, c'est pas forcément le bon jeu pour utiliser ce genre ça de choses. Ça sert à rien. Ah bah attends, je vais les endormir, les pauvres. Ah, je reviens plus tard. Hey, zombie lives matter. Naughty. Alors, recharge gratuite, donne 3% de munitions d'âme principale. C'est pour ça que t'as fait BK avec les petits jeunes brutal. De quoi? Je sais pas, c'est Giga qui demande ça. C'est pour ça que t'as fait béquer avec les petits jeunes. Ouais, c'est ça. Bah surtout qu'il y en a une sur laquelle j'avais flashé, elle avait 17 ans, alors putain. Ouais. J'entendais dans ma tête les sirènes de la police, quoi.
Ah non, mais attends, ouais. La meuf était magnifique, mais genre vraiment superbe quoi. On papote, normal et tout. On parle de taf, on se connaissait pas. Et puis elle me dit, ah bah je finis à 22h ou à 21h, je sais plus. Je fais, ah bah c'est cool, tu finis tôt, t'as de la chance quoi. Enfin, de toute façon, je peux pas finir plus tard, j'ai 17 ans. Ah oh ah ouais, d'accord. Ça m'a fait un peu mal quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bon bah oui, bah, je suis prêt, hein. Allez. Oh, t'es déjà niveau 5, Lily, pas mal. Zoman. Ça m'a dit, c'est niveau, de toute façon, dans le jeu. Grave. Ah non, c'est pas ton ex, Bastien. Oh merde! Oh putain, dommage! Le chat est en train de faire sa toilette, et en fait, en se frottant l'oreille, il s'est complètement retourné l'oreille comme une chaussette. J'ai pas eu le temps de retourner la caméra, parce que vu qu'il a repassé la patte, il l'a remise normale. Mais vraiment, il avait l'oreille, mais c'est une chaussette, quoi. Petit risotto. Le petit chat. Oh, Zozo, regardez-le! Il fait sa toilette. Oh, il est trop mignon. Mais je suis en train de réaliser. Il me faut une deuxième caméra, il me faut une risotto cam. Grave. Une risotto cam. J'aime. Ignore. Ouais, pareil. Oh! Bambi, oh là là. Bambi! T'as offert 150 abonnements sur la chaîne. C'était pour avoir un chiffre rond. Mais 150 quoi. Lily, t'as un abonnement ou t'as besoin d'un abonnement? Non, putain! Moi, vu que je viens pas souvent, t'inquiète. Elle est déjà abonnée. Je viens avec l'abonné, avec le streamer. Alors... C'est vrai. Je pourrais le soutenir plus. Un gros abonnement celui-là. C'est bon. Tu veux. Lily, je crois que tu t'es trompé de mot, tu voulais dire punition, il me semble. Non, parce que dire l'abonnement, c'est plutôt pour moi. Oui, non, mais est-ce que tu l'as choisi en toute connaissance de cause ou est-ce qu'il a fait comme la plupart des mecs et qu'il a doré son image avant que tu saches à quoi t'attendre? Bon, il m'a sauté dessus, alors techniquement, il y a trois quoi m'attendre. Hein. Le stalker violeur, quoi. Non, non, on dira rien, Jessica, t'inquiète. Oh la salope! J'ai une mitrailleuse! Là, il y a un LMG. Bah, LGM, pardon. Stars explosives. Ah, très bien, ça. On va les niquer sur les trucs de C4, cette fois. Alors, éclatez le cul. Oh, oui. Cordialement, la direction. Cordialement, la direction. Exactez pas. Ah, Bambi, tu t'amuses? Bah, je cherche désespérément des caisses de défense. Bah, moi, j'en ai une, moi. Où est-ce que je mets J'ai une mitrailleuse. Bah tu mets en fait, genre tu poses pas de questions. Oui non mais où ça? Tu fermes ta gueule et tu taffes. Allez, obéis. Mais putain, je vous encule. En fait je vois pas où me poser Ah tiens, y a Bambi qui se fait violer le trou de balle là. Voilà. C'est trop aimable. Parce qu'en fait il n'y a pas d'emplacement pour mitrailleuse là tout de suite. Comment on voit la vie d'un autre? C'est tout à droite de l'écran. C'est les petites barres au dessus de la tienne. D'accord, ah oui, bah j'avais même pas fait gaffe. On est dans ton équipe, Lily. Non, mais c'était parce que vu que t'étais à terre, je savais pas depuis combien de temps. Donc, que j'ai gueulé, comme moi tout à l'heure. Que ça fasse pas comme moi tout à l'heure où ils ont mis 40 plombes, que j'ai été en mode moins de midlife. Ah bah, si personne n'ouvre la grille, on sortira jamais, les gars. Hein. Mais c'est bon, quoi. Ouais, non, mais faut tout faire ici. Lol. Bonjour, les gens. Hors d'en approche, bien. Ah, là je peux déployer la mitrailleuse. Ah bah enfin, tu peux travailler. C'est bien ça. Alors, ah, ta gueule. La grille, je la mets où? Il y avait quelqu'un qui avait une charge explosive tout à l'heure. Moi, ici, Bah il faut que tu trouves un truc, il doit bien y avoir un conteneur, non? Je ne peux pas utiliser les canons. Franchement, ça aurait été sympa.
Putain, mais y'a pas de truc à exploser? Ok. Un grillage haute tension. Mais je veux changer d'arme, please. God, please no. Fusil de précision, mais allez vous faire enculer. Ouais, y'a rien. Y'a que dalle en arme, c'est ridicule. God knows I want to break free. I've fallen in love. Fallen in love for the first time. This time I know it for real. J'ai une charge explosive, mais elle est inutile. Bah, pour l'instant, Bambinette, pour l'instant. Comment elle boudait. Ouais. Ah là 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 là. Près de Lily, j'avais pas vu. Ouais. Attention tes fesses, Lily. Ça va casser. Titre. Je veux pas ça, je veux... Non mais, je peux pas... Voilà. Oh my god, please. C'est l'homme la plus pourrie de l'univers, là. Comme toujours. C'est clair. Utilité sur 20. Vas-y, ta gueule. Mais j'ai un mortier, mais y'a pas de place pour le poser. Mais quelle est cette sorcellerie? Ça arrive derrière Nico. Ouais, oh putain, ça. J'avais pas vu ces cons là. Bah c'est bien pour ça que je te le dis. Il fallait le dire plus vite. Ouais. Oh. Ah. Tu te calmes, sinon la clé de bras elle arrive. Ouais. Mais l'encouragez pas. Alors espèce de bouffon, c'est par derrière qu'on les tue, tu peux tirer un moment hein. Moi je les tire avec des balles dans la tête hein, les... Non, les même les bots masculins sont inutiles. Ah ah, Lisa est dans la merde. Oui. C'est bon, bah, c'est bon. Ça va au final, mais bon, tant pis quoi. God knows. God knows I want to quoi, break tu veux, free. Quoi? Ouais, on vous attend les gens. Les gens, hey, t'es au courant que je suis là hein? Ouais, mais... Non, sans mais déconner. Même quand je bon alors, je vous attends les filles hein. Non mais attendez, on vous sauve le cul là, il y a un moment donné ça suffit. C'est ça ouais Nick. Sauve le cul et oh. Voilà. Un screamer. Il y a un crasher aussi. Ah, il y avait. Ah ouais. Un machetta là. Attends-moi, camarade. Il se passe des trucs ici. C'est quoi la barre jaune qui apparaît par-dessus la barre de vie? C'est ta barre. En gros, c'est ta barre combo. C'est quand tu fais des actions particulières, oh non, ça te donne un boost. Je prenne. Ouh, ça c'est mon arme préférée. Ah. Le trou du lapin. Ah merde, des infections. Moi aussi. Ah, fais chier. C'est bon. C'est bon, je t'aide. Putain, mais je vous ai perdu de vue. Où est-ce que vous êtes? Bah, en dessous. Ah, y'a là. Trou. Attends, mais putain, par où est-ce que vous êtes passé? Par en dessous. Y'a un trou. Rattrapage. Ah oui, voilà, j'avais pas vu. Non, mais quand je te dis qu'il est inutile. Mais ferme ta gueule. Je cherchais des armes, ok? Parce que j'ai un pistolet à bouchon depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Fusil de précision. Putain, fusil de précision quoi. Mais viens en bas avec nous, il y a plein d'armes. Trouvez la brèche. Bah vous êtes gentil mais bah on est devant. Un truc en fait. À C4 hein, si vous avez. Voilà, allez on l'ouvre. Putain mais c'est pas fou tout ça mais bon. Il y a un truc avec une lumière rouge. C'est fait pour que ça pète. Bambi, t'avais pas de C4 toi? Oui, attention. Non, j'ai pas de C4. Ah bon? Mais tout à l'heure, t'en avais? Et je l'ai utilisé près de Lily. Ah ouais. C'est pour ça que je lui ai dit de dégager ses fesses. D'accord. Fusil de combat, ça te va ou fusil de combat classique? Brutal. On est coincé. Attends, il faut que j'interagisse ici. Interagis alors. Trouve bah ouais, j'ai interagi.
Allure. Ramasser une torche, d'accord. Enfin, je ramasse la torche. Oh, j'ai une charge explosive. Je veux une texture dégueulasse. Je veux ouvrir voilà, un truc. Faut que j'allume la lumière, oulala. Juste un tout petit peu en arrière dans le tunnel, je fais péter du C4, attention. Lily est ma lumière dans le noir. C'est ça. Ah, bah voilà, on est dans les catacombes marseillaises, je savais pas que ça existait. Oulala, il y a des gens là. La touche pour la torche. J'y vais. Ouais, bah c'est pour ça en fait, je t'éclaire. Ouais, vas-y, voilà. Tu vas où? Qu'est-ce que tu branles? Tu fais quoi? J'ai ouvert un. Parce qu'il se réveille aussi, donc du coup je. Ouais. Un truc aussi, à coup de C4. C'est bon? Là, il y a des. Les filles sont à péter au schnock, on est un peu à la masse. Non, ça, on s'en fout. On s'en fout aussi. Attention, ça. Ouais, j'y suis. Ah, c'est de l'autre côté, merde. Je suis perdu, c'est une catastrophe. J'arrive. Peut-être à derrière. Ah, attends. C'est quoi la touche pour Derrière, il y avait un truc pour interagir, Lily. Aïe. Ah. On n'est pas censé avoir de la lumière? Bah non, parce que c'est moi qui ai la torche. Ah lol. Ouais, sauf qu'en fait, je sais pas où vous êtes. Je suis derrière toi, Bruce. Ah non, j'ai la charge. Mais fais gaffe, il y a un truc qui va nous foncer dessus. Non mais les filles, oh, on ne sait pas où vous êtes. Ouais, on arrive. On vient vous chercher. On revient. Ah. On le cul, mais on arrive. Oh le bordel. C'est bon, t'es prête? Ouais. Attends, c'est par où? Attends, faut remonter. Non mais c'est bon, moi j'ai un sens de l'orientation quand même. Oh. Attends, mais il nous faut mat aussi. Ouais, parce que là je suis derrière et je ne vois rien. Ah bah c'est pour ça, je reviens. Parfait. C'est bon, Matt. C'est bon? Voilà. Alors, je distingue Bambi vaguement. Ouais. Okay. C'est Lily, notre meneuse. Notre messie. D'accord. J'ai pas l'habitude. Faut la soigner d'ailleurs, peut-être, non? Ouais, ça va pas tarder d'ailleurs. Voilà. Merci. On est reparti. Vous me suivez, c'est bon? Ouais, les gars, vous suivez. Non, hein. Ouais, ouais. Voilà. On est paquet. Et puis je close la. Là, moi j'ai déjà une charge, donc du coup, faut que j'en prenne une. C'est bon. Voilà, et normalement, il faut remonter où on était tout à l'heure. Yep. Ça va, il. Au cas où, si tu te perds, il. Mais il est. Ah, on est obligé de passer. Non, c'est pas là, parce... Non, Lisa. Bah, si, c'est pareil. Ah bon? Bah, oui, regarde. Ouais. Lisa, j'en ai plus de stamina. Hein? Je n'ai plus de stamina. Je ne peux pas. T'as pas d'endurance? Non, j'ai une tronçonneuse énorme sur le dos là. Ah oui, merde, c'est vrai. Ça n'aide pas. Ouais, je suis. Attention, le viol de Nico. Il y a du monde qui arrive. Hop. Et là on va tout faire péter. Ouais. Non. Vous venez à côté, je vais faire tout péter. Ouais. C'est bon? Oui. Vas-y. Va en face. Wouhou. Titre. Oui. Ouais. Ah bah du coup c'est cocasse. Ah bah merde alors, revenir en haut. Ah bah bravo, qu'est-ce que t'as fait Lily? Bah c'est bon. Lizzy. Bah c'était l'objectif en fait. Je pensais qu'on sortait par là moi. Puis de combat classique. On vous attend les gars. Oui. Bah attends, y a des trucs de munitions, tout ça, on fait le plein, on fait nos courses, tranquille, nos petites emplettes. Un secondaire, ouais, super. J'ai fini. Plus sombre ce jeu, c'est pas assez dark à mon goût. Grave. Non mais t'as vu, il a fait une crise cardiaque quand je me suis fait agresser. Si, m'avoue. Enfin, c'est pas mon métier, mais ouais. Les pompiers volontaires. Oui, voilà. Donc, en plus de son métier. Ouais, j'ai deux boulots dans une journée. Tu travailles dans la santé, toi, en plus, non? Non, je travaille sur les voitures autonomes. Ah, pardon, je pensais que c'était toi qui travaillais dans la santé. Ah, non. Enfin, les pompiers, c'est plus ou moins la santé, mais... Oui. Car rester en vie, c'est être en bonne santé, enfin potentiellement quoi. Ouais, on essaye. Oui, voilà.
Oula. Merde, Bambi. C'était trop tard, vraiment, je l'ai vu à l'instant T, j'ai fait ah. Happy surprise, motherfucker. C'était peut-être pas l'idée du siècle. It was at this moment. Bambi knew. She fucked up. Je sais pas qui m'a sauvé d'un violeur, mais merci. C'est moi. Ah, non, ok, d'accord. Moi, je t'ai... dans CRS. Ouais, c'est attention qui pue. C'est bon. Close the door. On est bloqué par le nuage, nous. Bah ouais, on est bloqué dans le qui pue. Hold the door. Bon bah moi, je vais suivre Nico. Allez, go. Et après, on s'étonne du nombre de chômeurs quand certains volent de boulot. Ah, je vous préviens, je ferme même si vous êtes dehors. Non! Ah non, je peux pas fermer, maniez-vous, rentrez, bordel! On arrive! Oh, où est-ce qu'on remonte, bordel? Lily! C'est bon! Je protège les fesses de Brutal! Bon. Elle est pompier volontaire, hein. Elle est pas payée pour ça. Hein. C'est vrai. Elle est payée pour sauver des vies. Ouais, servir ou périr. Non, sauver ou périr, tu connais? C'est sauver ou périr, ouais. Non, on est indemnisé. En volontaire. C'est-à-dire 50% du SMIC en taux horaire, voilà. Ouais, donc vous payez un sandwich à la fin du mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ça te paye ton essence. Crever, mais on... ouais. ça te paye ton essence. Où est-ce qu'il y a des munitions, putain? Ce genre de choses, quoi. C'est tout. Ah là. C'est ça. Après, c'est une aide d'impôt, donc... Mais oui. On est dans le fort de Fort Boyard, là, on est d'accord. C'est ça, ils ont juste la boule. Ils ont tout mis, en fait, il y a tout à Marseille. C'est ça. C'est fou, hein. Il y a la Bretagne, il y a tout. Ouais, du coup, j'attends les... Hop là, bah c'est bon, j'y suis. Les dolmens, ce genre de trucs, tout ça. C'est ça. Histoire qu'on ait tout. Ouais. Allez, les girls. Bambi, derrière toi. Ouais. Je cherche où est le... Ah, c'est là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Péage haute tension. Ah yes. Confirme, c'est un scandale. Ça se pose où? Quand on fera des défenses, Lily. Ok. Bah, voilà. Est-ce que quelqu'un a une charge explosive? Non, mais non. Une mitrailleuse. Non. Et j'ai un mortier, moi. Moi, j'ai déployé la truc à haute tension. J'ai adoré comment t'as dit ça, Nico. C'était extrêmement mignon. Moi, j'ai un mortier. Ouais, moi, y a un lance-roquette. Je vais pouvoir tuer des gens avec des explosions. Moi d'abord j'ai un mortier. Ah oui, j'ai vu. Gnagnagna. Grillage de tension. Ouais, bah ça en fait du monde. Mais ils viennent de la mer en fait là, les. On est d'accord qu'ils viennent de la mer. De la mer de qui? Possiblement. Wow. Ah non, on avait dit pas les mamans, hein. Marseille, c'est un jeu américain pour eux, la France dépassait Paris, c'est la campagne, tout se ressemble, je te jure. Bah comme pour les gens de Paris, en fait, non? Oui, c'est ça. Une fois que c'est Paris, de toute façon. Mais est-ce que les Parisiens connaissent quelque chose à la vie et au monde, finalement? Avez-vous déjà vu une vache? À part la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, ils ont quoi comme repère vieux? Mais on connaît même pas la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ouais, ça c'est parce que tu vis dans les Yvelines, ça. En fait, l'Arc de Triomphe, je le connais bien, surtout son rond-point, pour le coup. Son rond-point qui te met en danger de mort à chaque fois que tu le prends à moto. Ah, ça arrive, là. Eh, ça va, notre... C'est connerie. Screamer, là. Voilà. LCRS, là. Dans le dos, voilà. Très français, puis juste après c'est de l'anglais. Ouais, normal. Allez, on enflamme tout. Et pouf. Ça a fait des chocs à pic. Faut éliminer qui? Tout le monde. Je sais pas, ils disent... Ah, j'ai plus de munitions.
Mais vous avez tout pris, mais quelle bande de sac à foutre? Yes, c'est nous. Bah oui, on avait le sac à foutre. Non, Nico, t'as pas le droit. Je t'interdis. Bon, les couilles, je les ferai quand même. Non, Nico, je démissionne, je le dis encore une fois, mais... Là, là. We need quoi? Des missiles. Ah ouais, parce que j'ai entendu, on a... ouais, j'ai entendu missiles comme la rougeole. Ah oui. J'ai pas compris. Non, en effet, on je... a besoin de rougeole. Vite. C'est notre seul espoir. Ah bah faut combattre le mal par le mal, hein. Oui, bah ça se tient. Pas un gros. Mais en fait, là, cette mission, on est voué à la perdre. Il se passe bah rien non. tout à l'heure. Frapper les pierres. Bah, défendre la position, voilà. Regardez s'écrouler comme des châteaux de cartes. Oui, c'est rigolo. La fusée éclairante, je prends. Bon, alors raloupe pas ton coup, s'il te plaît. Tirez en l'air. Bon, tirez en l'air, ça va. Ça devrait aller, ouais. Hold the line. Ta-la-la-la. Oula, oh putain. Ah oui. Mais les Américains, ils attendent vraiment à ce qu'il y ait des drapeaux français accrochés partout? Yes. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, on va aller se boire un petit café en terrasse, là. Mais non, on est à Marseille, un petit pastaga. À Marseille, on va boire bravo. Un pastis. Bravo. Toto. Mais oui. Ouais. Bravo. C'est ça, c'est un rototo, ça. Oh. Oh, oh, oh. Énorme. Et ça, c'est un risotto. Ah. Putain. Et t'as le tu sors. Comment on fait pour supprimer le streamer du... Je crois que ça s'appelle Uberman ou un truc comme ça. Non. Ah oui, tu peux aller faire une clé de bras. J'attends de le disjoncteur deux secondes à Lily parce que je sens que la France en a besoin. Non, parce que les disjoncteurs à la maison, ils, oui, quand j'ai 24. Voulu m'attaquer à l'électricité, c'était pas bien. Ah ouais, non, t'as bien vu un drapeau breton au Capitole. Oui, c'est vrai ça, bordel. Quoi? Les bretons sont partout. C'est vrai? Oui. Sans deck, quoi. Les bretons sont partout. Ils nous envahissent. J'ai un pompier. Ah mais on repart sur New York du coup. Ah bah on a fini la campagne. Bah voilà. Bah, du coup on a fait la boucle ouais. Je vais tâter de la hache. Vous voulez tester le mode vague? Je ne sais pas. Bah peut-être que Lily elle veut voir les autres missions aussi. Moi je veux tester le Alligan Tool. Hein? La axe et l'outil Priax, ça s'appelle les Alligan Tool, les équipements pour les pompiers, pour les ouvertures de portes. D'accord. Ouais. Moi, je vais juste aller me chercher du liquide avable, j'arrive dans une seconde et demie approximativement. Et ouais, du coup, Lily, c'est ce que je te disais, l'électricité, c'est vraiment un truc sur lequel j'irais pas me chauffer là-dessus, quoi. Faut vraiment connaître. Autant, ça me pose pas de soucis de faire du carrelage, du parquet, de refaire un mur, de défoncer un mur. Autant l'électricité, putain, tu te foires, t'es pas dans la merde. Bah, ça dépend. Après, là, avec un ami, on a refait pas mal de choses parce que quand j'ai ouvert, quand on a pété le plafond, le faux plafond pour faire de l'isolation, on s'est rendu compte qu'il y avait une boîte de dérivation avec les vieux dominos tout pourris là, les trucs qui sont plus aux normes. Et quand on a acheté la maison, j'en reviens, les mecs. Oh, ah bah super, je reviens, Ignisborg. Ah mais c'est aux normes la maison. Ah ouais, bah non en fait. Donc Nico, quand il a pété le placo, il s'est pris un arc dans la gueule parce que les câbles étaient ni dans des gaines, ni dans des... on va dire dans... Enfin, ils étaient dénudés quoi. Ah mais c'était juste les trois fils classiques quoi. C'était même pas dans une gaine plastique ou dans les grosses gaines de chantier quoi. C'était pas y avait pas de saignée dans les murs, enfin. Donc ouais, c'était pas mal ouais. Et le must c'était la chaudière sur les lumières.
sur le disjoncteur sur le tableau, ils avaient mis des prises, des lumières et la chaudière en même temps. Quoi, mais on est où là? Putain, c'est super dangereux en plus, hein. Oui. Oui, parce que potentiellement tu fais claquer une lumière, tu peux faire un court-circuit sur ta chaudière, c'est pas mal. Génial. Ouais, donc c'était le petit kiff, donc on a tout refait avec un ami. Tu vois, moi j'aimerais beaucoup acheter dans le secteur, c'est pas ce qui manque, c'est genre vieille grange ou vieille ferme, etc. Puis la retaper de hasard, alors l'électricité ça va me coûter bon. Alors malheureusement... Bambi, mon meilleur pote électricien. Malheureusement, m'avoue non, parce que en fait, on a un ami qui est électricien, donc je lui ai posé la question si je pouvais me retourner justement contre l'ancienne personne pour vice caché. Et en fait, non, parce que aujourd'hui, quand tu vas chez le notaire, quand t'achètes tes maisons, t'achètes dit en l'état. Attention, il reste 100 secondes. Hein, attention. Ouais, alors attendez 2 secondes, juste, on fait New York du coup. Bah moi, je suis chaud. Hein. Si allez, c'est possible, go. Ouais. Donc le dit en l'état, et ben du coup tu te fais niquer la gueule. Tu te fais niquer. Parce qu'on avait une fuite sur en toiture, donc on a dû refaire un solin. Enfin, voilà, plein de trucs. On a refait la toiture quasiment. Ouais, on a refait tout. Ouais. Ouais. Putain. Ça me ferait vriller, tu vois, d'acheter une baraque et de me rendre compte qu'en fait c'est un château de cartes. Ouais, c'est compliqué quand même. Bon, ça va, heureusement qu'on est... Enfin, plutôt moi que Nico, mais heureusement qu'on met la main à la pâte, quoi, parce que... Ouais, c'est pour ça que je te disais, moi j'aimerais bien acheter, ça coûte que dalle ici en Bretagne, les structures de ferme. Puis tu retapes, en fait, en vrai. Ouais. Tiens, Lily, si tu es prête, n'hésite pas. Ah merde, je pensais que je l'avais fait, désolé. T'en fais pas. Bah, après, l'électricité à choisir, je préfère partir de zéro que devoir rénover. C'est ça. Parce que l'avantage quand tu pars de zéro, c'est que tu pars du compteur et tu mets tes prises où tu veux. Quand t'as déjà un existant, entre les boîtes de dérivation qui sont cachées un peu partout, les machins, les bidules, c'est trop le bordel. C'est ça. Donc... Malheureusement, dans les corps de ferme breton, il y a souvent l'électricité qui est déjà présente, donc tu fais avec ce que t'as, quoi. Ouais. Bah après, à voir comment elle est faite, parce que sinon t'arraches tout, tu recommences. Hein. C'est ça. Ouais, il y a des chances, mais j'y connais rien, je suis vraiment une bille dans l'électricité. Donc le mec, il veut m'enfler la gueule, ouais, là, il peut m'enfler. J'appellerai mon meilleur pote, Bambinette. C'est vrai, tu m'as dit que t'aurais ton meilleur pote électricien. Bon, l'avantage, je suis bricoleuse, tu vois, ça va pas me coûter la blinde. T'as perdu le chat, Nico? Bah non, je l'ai pas perdu, il est allé chez toi, c'est pas pareil. Ouais, il est en PLS à côté de moi, là. C'est parce que Nico a pété ou un truc comme ça, sûrement. Même pas. C'est quoi cette réputation que vous me faites, là? Dit-il alors qu'il rote depuis... Ouais, c'est ça, le mec arrive à roter plus que moi, oui, quoi. Oui, c'est ça, je rote, mais je ne pète pas. À mon avis, tu rotes pour cacher l'épée. S'il rote, c'est qu'il y a un objectif derrière, c'est qu'il nous cache des choses. C'est ça. Nous oh Bambi, t'as un petit panda à ton cul. Oh. C'est mon perso, ça. J'adore ce perso. Comment on fait pour... quand on lance une mission, qu'on parte avec une arme spécifique... On ne peut pas. C'est une capacité. On ne peut pas, en fait. Ouais, ça, on a, justement, pendant pas mal de temps, on se disait, mais que c'est chelou, on améliore des trucs et on part pas avec. En fait, il y a juste certains trucs que éventuellement tu peux débloquer avec les niveaux qui te disent, bah tiens, chaque niveau, enfin chaque run, vous commencez avec telle arme. Mais en fait, tu ne choisis pas... Là par exemple, là, j'ai débloqué un truc qui me permet de commencer avec un putain de fusil de chasse. Bah ouais, c'est ce que je voyais justement. Je comprenais ça pas. Pop derrière nous. Ouais, ça va, il y en a pas beaucoup. Non mais faut s'en occuper. Il y a un violeur. C'est bon, je l'ai buté. Ah bah non, je l'ai pas buté. J'arrive. Ah putain, oui, t'es de l'autre côté du mur. Vite, 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 vite. Et ils sont deux sur moi en plus. Oh, allons, ils hurlent là. On est dans les caves de sarcelles ou quoi?
Ouais, on est dans les locaux d'une grande entreprise, ça revient au même. C'est Webedia. Y'a pas l'un qui était raciste, je les cherche. Si je vois des glandus en train de poser des gants de ceinture dans le bureau de la direction, je saurais que c'est eux. C'est ça. J'ai lancé un petit sondage, hein. Par extension, je vous invite à y répondre. Nico est-il dégueu? Je ne suis pas dégueu, je suis un bon vivant. Oh là, voilà, non, donc vous avez plusieurs possibilités, je vous invite à y répondre. Attends, qu'est-ce qu'elle a mis? Oui, mais... carrément, seul le mec professionnel, un port fini, vous êtes sérieux? Un port fini? Mais j'ai du zombie dans les cheveux, j'avais pas vu. De la bonne crème de zombie. Carpaccio. Ah oui, je me rappelle. Ouais, je me rappelle aussi. Oh là là, putain, c'est déjà le merdier en bas, quoi. Ah, précision, c'est petite précision, merde. On s'en fout, putain. FDP. J'entends de la bonne guitare à côté. Ouais, pareil. Oh, oui. Mitrailleuse ici, si quelqu'un veut. Où ça? Là. Ah yes, je prends. Carrément. Merci mec. Oui. Faut tuer ceux qui sont en bas, c'est ça? Faut tuer un peu tu tout le monde. Tu peux commencer le ménage, mais Ouais, c'est... oui, voilà. Waouh, voilà. C'est beau. Ah oui. C'est parti. Ah putain, ça pop derrière nous aussi. Ouais, je fais ouais, derrière. C'est... Ok, ça marche. Tu fais derrière, Vivi? Ouais. Bon bah je vais devant alors. Ah non, tu fais de ce côté là, ok, je fais de l'autre côté alors. Ah y'a un CRS. Ouais, aïe. Ouh, j'arrive. Ah bah non. Il m'a contourné. Il est... Attention, y'a un pic qui pue. Donc t'es acté, maintenant ce sont des qui puent, hein. Des qui puent. Oui, je sais. Ah, parce que NRBC c'était trop... Ouais. Arrête de te la péter un peu avec tes mots compliqués. Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Parce que toi bah, tu roules en B. On en a pas, hein. Mais avoir de la culture c'est bien, mais quand tu l'étales à la gueule de tout le monde, ça s'appelle se la péter. C'est comme du caca. C'est une déformation professionnelle, laisse-la tranquille. Ou alors, quand t'étales ta culture à la gueule de tout le monde, c'est une partouche de libraire, mais Ah, flic. Yes, bravo. J'ai panique, mais pour rien. On n'a pas entendu. Interagir. Ah bah pourtant, je suis parti dans les suraigus, là. Bah ouais, mais du coup, on n'a pas entendu, c'est chiant. Hein. Vivement que t'aies ton logiciel, là. Ouais. Bah, il capte pas mon micro, les suraigus. Bah ouais, c'est pas cool. Ah bah là, il y a des armes, là. Ouais. Oh, du secours. Il faut même installer de défense, les gars. Ah oui, c'est vrai. Oh. Oh. Ouais. Tu vas voir, Lady, ça va te faire kiffer, ça. Une tourelle. Tourelle automatique. Ma meilleure amie. Bon, on va la mettre là. Hein. La petite guitare là, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu dans Mad Max Fury Road. Le guitariste lance-flamme là. Qu'est-ce qu'il est cool ce putain de film, putain. Pas vu. T'as pas vu Fury Road, mec? Oh. Mais il a rien vu, lui. Oh là là, mais Fury Road, oh, mec. Je vous emmerde. Fury Road, il est tellement génial. Je veux cette voiture. Excusez-moi. Oui, la voiture est cool, je l'avoue. Il n'y a pas, d'armes mais... d'Inos, non, mais bon, d'accord, ok. Je vais faire... Il n'y a plus l'air d'y avoir autre chose pour la défense. Je sais pas si c'en est une, mais les Pontiac des années 50, notamment les 56 et les 58, là, les prix des pièces détachées en France, ça coûte une blinde. Je sais pas si c'est à cause du confinement ou... Ou des... Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais ça coûte une blinde, ça coûtait que dalle avant. Je sais même pas combien j'ai payé la batterie de ma Yaris, alors... Si tu le dis. Bon, y'a plus de défense installée, du coup, on peut commencer la baston? Bah, ouais. Je
J'aurais quand même une Chevrolet 67 et une Mustang. Et hop, c'est parti. Putain, je crois qu'il y a un creep dans le coin. Ah, chier. J'entends des petits cris, ouais. Ça arrive, ça y est. Je vais en bas, moi, perso. C'est bon, je l'ai eu. Tac. Je suis vide, carrément. Titre. Oui. Mais c'est ce que le mec a dit, hein. C'est pas moi, hein. Qui pue c'est bon. J'ai ça... vu une mitrailleuse tout à l'heure, elle est où, putain? Ça pop de notre côté. Ouais, bah, je suis occupé, hein. Moi aussi. C'était à titre indicatif. On fait du carpaccio, nous. Ouais. Vous avez des qui puent au cul? Oui, effectivement. Hop. Flic. Hop là. Flic, Nico, fais gaffe. Merde. J'arrive. Merci. Marrant parce qu'ils n'ont même pas le temps d'atteindre les défenses avec ça. C'est vrai que ouais, deux surineuses du coup. Ah, ça nettoie, hein. Elle coupe tout, t'es coupé, hein. On vit dans un monde plus sourd avec nous. Mais par contre, j'ai pris un mec. Par contre, ouais, non, nous on était là en fait. Ouais, mais ouais. Bon, je me suis dit que vous allez vous en sortir. Ouais, ouais, bah non, oui, mais bien sûr. On fait comme ça. C'est bien les mecs, ça. Les trucs qui font boum boum. C'est ça. Et ça fait bim bam boum. Non. Putain de merde. Je te maudis sur 36 générations. Ah oui. Beaucoup de générations. Pourquoi ça fait t'as une vie, enfin une barre de vie jaune, Bambi? Parce que j'ai fait un combo, j'ai fait un akimbo, j'ai spam F, et donc du coup, comme je t'en sur un, ça m'a fait passer en combo. Quand t'es en jaune, faut pas t'inquiéter, c'est que t'es en combo au contraire. Ah d'accord. Ouais, spam, et si tu passes en jaune, dis-toi que t'es en mode furie. Et du coup, attends, F c'est quand tu tapes, c'est tout? Ouais. D'accord, donc tu tapes, faut spammer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ouais, ouais, moi c'est ce que je fais, du coup je passe bah en parce accident. Que c'est ce que j'essaye de faire, mais du coup je dois pas avoir assez de maîtrise. Peut-être que ça se débloque peut-être plus tard avec les niveaux. Hein. Je sais pas. Il y a une arme de combat avancée et un fusil de chasse automatique. Ah si arme de combat avancée, où ça? Dans le container où je suis. Ok, j'arrive. Fusil d'assaut, machin, on s'en fout. Je vous ai dit dans le container. Oui, oui, non, mais je regarde. C'est pas un acteur, ça? Container? Richard Container? Alors, c'est un chanteur, Gotener, espèce d'inculte. Un chanteur, c'est ça. Sors, tu sors. Mais sors. Par contre, oui, oui, voilà. Commande non, adieu, non, commande humour, machin. Ouais, commande humour, là, vraiment, c'est une nécessité vitale. Sortez le banhammer pour cet homme, putain, c'est clair. Mais vous aimez pas mon humour, c'est pas drôle. Non, non, mais tu sors, arrête. Oh, tu plies, arrête, part de nous. God, please. Please stop. Please, non. Putain, c'est bondé quand même. La preuve que je suis fatigué, c'est que j'en ris aux larmes tout seul de mes conneries. Bon, enfin, il te faut pas grand chose pour pleurer, hein. Non, mais d'accord, mais quand même. Wow. Derrière oula, toi, oula, oula. Ah putain. J'ai pas réussi à esquiver, merci. Il est encore vivant, le conducteur? Apparemment. Sa meilleure vie dans le plus grand des calmes. Franchement. Trouvez les caisses de ravitaillement. Allez, on est parti. Allez. On m'avait pas manqué cette mission par contre. Souvenez-vous, assomme-le, dis m'avoue. Ouais, non, mais vraiment, genre. Tu veux faire un acte citoyen, tue cet homme. Ah non, après, je vais être en prison. Voilà, t'inquiète, on couvrira tes traces. Ça restera entre nous. Ouais, ça te sert, les potes, planquer des cadavres. Sûr que Bambi, elle a plein d'expertise dans le domaine. Alors, je connais trois manières de faire disparaître totalement un corps sans laisser aucune trace. Yes, bah c'est rassurant. Et déjà, il y a les cochons.
Non mais de pire c'est que... Oui, les cochons. Ensuite, l'acide, il suffit juste d'avoir une baignoire et vraiment tu pars dans les tuyaux mais dans le plus grand des calmes. Ouais, la Breaking Bad quoi. Nikita j'allais dire moi plutôt, mais c'est pas... Oui aussi. C'est pas du fake ça justement. Non, 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 vraiment, tu pars. En fait, le seul truc, c'est les cheveux. Il faut que tu scalpes la personne avant et que tu brûles ça. Parce que du coup, oui, boum, ça te brûle. Voilà. Parce que les cheveux bouchent les tuyaux. C'est le seul truc qui a du mal à se dissoudre. Ah, et puis moi, c'est mort. Donc, tout le reste, les os et tout. Tout le reste, les os, tout se dissout. D'ailleurs, quand t'appelles des nettoyeurs, en général, le premier réflexe, c'est est-ce que vous avez une baignoire ? D'accord. C'est vraiment la manière la plus simple, t'as même pas besoin de désosser le corps. C'est rassurant, Nico. Mais ouais, c'est très rassurant, mais j'imagine que c'est pas n'importe quel acide, c'est pas avec n'importe quel acide que tu fais ça. Non, 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 c'est un acide, enfin déjà ta baignoire elle est niquée, hein. Je te le dis tout de suite. Ouais, j'avoue, Bastien, ouais. Le délire, il fait un AVC, c'est sûr. Donc ouais, il y a d'autres manières de se débarrasser d'un corps, plutôt facilement, les broyeuses de chantier, le béton. Le béton étant quand même le plus sûr. C'est très très rare que tu puisses retrouver un corps qui est dans le bitume. Vous cherchez un chantier de centre commercial qui vient de commencer, ou d'immeubles, de logements, tout ça. Hop, bitume, on n'en parle plus. Grave. Sinon, il y a le grillage à poules aussi. Le grillage à poules. Bah, les poules, eh, franchement, tu veux faire disparaître un corps, tu mets des poules. D'accord. Les rats aussi, les rats. Ça se fait encore. Ils vont disparaître les corps. C'est très rassurant tout ça. Ouais. Ah ouais, mais sur internet, tu trouves des infos sur tout. Hein. L'achat, ça dépend. Oui, ça peut être bien, mais c'est long. Ouais, il faut une grosse dose. Hein. Ouais. Ça se trouve peut-être plus facilement. La meilleure. Bah après, les cochons. Oh, il allait faire une blague. Il n'y a pas genre les dents qui digèrent pas ou une connerie comme ça. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans Snatch. Ouais. Je me souviens. Oui, ouais, mais comme les excréments de cochon en fait sont réutilisés, etc. De toute façon, à moins que le mec s'amuse à fouiller dans les excréments, il tombera pas dessus. Hein. Ah, c'est vrai, ils peuvent mâcher les os. J'avais vu ça, j'étais en mode what? Ah ouais, déterre les mâchoires de cochons. C'est clair. Ah, les cochons, ça bouffe tout, c'est dingue. Ah. Puis on a plein de cochons chez nous dans le Finistère. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Matt, il y a pas longtemps, là, je faisais un trajet en périph, là. Mm-hmm. Je suis tombée sur des vaches qui étaient pas homologuées. Ça m'a mis dans une rage. Des vaches pas homologuées, qu'est-ce que quoi ? Oui, elles étaient pas noires et blanches, c'était pas des vraies vaches. Ah, d'accord, donc tout ce qui est limousine, machin... Non, j'ai dit que les marrons étaient tolérés dans les Charentes, puisque ce sont des charentaises, mais c'est tout. Et elles étaient pas homologuées, elles étaient toutes blanches. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce combat ? J'avais envie de les peindre. Oui, mais voilà, mais c'est pas les limousines qui sont blanc cassé un peu comme ça, beige, machin, non, c'est pas ça, je sais plus. Oh, mais t'as des talets qui sont marrons, à taches, machin. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, je veux pas entendre parler de celle-là. La meumeu pour Bambi, c'est noir et blanc et c'est tout, quoi. Oui. Tout à fait. C'est cliché. Mais non, j'ai grandi en Bretagne et en Normandie. Pour moi, ça, il n'existe que ce type de vache. En même temps, la noire et blanche, c'est la pinoire bretonne, donc forcément. C'est comme dans la chose. Il s'y connaît même en vache. Mais non, mais en fait, j'ai fait un CAP boucher et c'est un des rares trucs que j'ai retenu. Ah. Genre un des très 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 rares trucs que j'ai retenu. Faire du parachute encore en le désossant en fait, Matt. Ah, par contre, je peux désosser. J'ai plus mes couteaux, je les ai filés à ma mère, mais en soi, ouais. Vous me trouvez un désosseur, c'est bon. Je vais galérer parce que j'étais pas bon, mais. Mais je peux le faire. Un corps humain, ça se désosse plus facilement qu'une vache. Hein. Je sais pas, j'imagine. Ça dépend l'humain. Ouais, ça dépend l'humain. Ouais. On parle pas d'un bodybuilder ou d'une taille XXL, là. On parle d'un être humain standard. Non, mais on s'en fout, en fait, de ce qu'il a par-dessus les os, en fait.
ce qui va être chiant pour la désos, ce qui va être chiant, c'est genre les nerfs, les tendons, ce genre de trucs, tu vois. Parce qu'en soi, qu'il y ait plein de barbacs autour de l'os ou pas... ça dépend, si c'est que du muscle... Ouais, mais le muscle, ça se mange, en fait, il est autour des os, on s'en fout. T'as une charge, Nico? Ouais, j'ai une charge explosive. Bien, Nico, patte. Oh, ouais, ce sucre. Ce qui craint, Nico. On va s'entretuer. Ah oui, parce que mon grand-père était bouché E accent aigu, c'est, ça veut pas dire la même chose. Non. Ah! Flic! Bravo. Bah c'est assez pratique quand même de commencer tout de suite avec une grosse bratteuse. Oh non. Okay, the next switch might unlock it. Oh, y'a un kiboum là-bas. Oh après, ouais, il y a des kiboum. Il était sur la fin de sa vie. Bon, le screamer, il va décéder. Besoin d'aide, Lily? Non, c'est bon, t'inquiète. Allez. On dit qu'on fait comme ça. Par contre, on a plein le cul. Enfin... Ah bon? J'ai le cul sale? Non, je l'ai nettoyé, c'est bon. Yes. Oh là là. Arrêtez les filles, j'en puis plus. Heureusement que Rhinos est pas là, putain. C'est vrai. Le suceur actif de ma petite personne là. Oui, et puis le mec qui est en PLS dès que tu fais ta petite voix téléphone rose. Ah, je ne vois pas ce qu'elle a, ma voix de téléphone rose. Ah, on se demande bien. Elle est parfaitement normale. Alors, où est-ce que je la mets cette tourelle? Je sais jamais où les mettre, moi. C'est il faut faire face au tas de sable qui coule là-bas, là. Ouais, donc là, comme ça, déjà. Qui coule. Mais Bambi, enfin! Il y a une tronçonneuse, les filles, si vous voulez. Oh, je vais faire les tronçonneuses. Ah! Petite précision, putain, ils font chier avec ça. Le Mont Saint-Michel est en France. La réponse est juste. Oui. Ah. Un flic, faites gaffe. C'est bon. Trois fusils de précision au même endroit, quoi. Génial, les gars. Merci. Hein. J'ai une charge explosive. C'est bien ou pas? Enfin, ah oui, bah c'est toujours bien. Il y a une porte à faire péter tout en haut. Ça? T'as cours. Ici. Ouais, juste là où je suis, il y a une porte. Voilà, j'allais y aller, mais... Là où t'es, putain. Ah oui, là. T'es proposé. Tu vas, Lisa? Attends, je cherche... Brutal, il est où? Non, derrière toi, Lily. Ah ouais, c'est bon. Ça grimpe en force de l'autre côté de vous, ouais, faites gaffe. Voilà, nickel. Attention qui pue, Lily. C'est bon. Ah merde, il y a le pute qui pue juste à côté de ouais, moi. Ouais, voilà pour le coup, ouais. Je vais mettre la charge. Ouais, ouais, j'ai vu. Yes, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va attendre un petit peu. Voilà. Tourelle automatique. Ah yes. Oh, y'a un lance-roquette en fait. Y'a un flic, fais gaffe Lily. Yes. Non, rien à foutre. Ah bah tiens, voilà, c'est bien ça. Oh, pour l'instant ça va, ça se passe bien hein. Nico, y'a un lance-roquette dans le conteneur que Lily a ouvert. Ouais. Ah. Y'en a deux même. Ouais, y'en a deux, donc moi j'en ai pris un. C'est pour ça que je disais qu'il en restait ouais, un. Tourette du coup. Oups là.
Sinon, tu peux laisser faire la tourelle si tu veux dans les escaliers. Du coup, en effet, en effet, en effet. Ah bah écoute, si la position est défendue, je vais pas me faire chier, je vais pas prendre le lance-roquette, je vais garder ma bratteuse. C'est contre les flics, c'est vraiment après, pas mal. Après, il va falloir défendre la rame. Ouais. Normand d'origine, un métalleux. Toi, t'es un bon, toi. On savait bien que tu avais du panache. Salut, Brutal. On est tout là-haut. Est-ce que tu sens mon souffle chaud sur ta nuque? Ah oui, tout à fait. Ouf. Hashtag MeToo. Ouf. Comment ça bah attends, j'ai un gros chauve. Et bah moi, j'ai une madame noire. Bah voilà, c'est ce que je dis, RP. Ah putain, mais j'avais pas vu que vous étiez parti, moi. Ah bah oui, ouais. Vas-y, non. Tu es mauvais, Matt. Mm-hmm. Tu dis pas ça tout le temps, mais d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Bambi? Autre... Bah, est-ce qu'il y avait marqué trouver un autre moyen d'attendre... Ah, c'est bon. Je vous prie. C'est parce qu'on attend des maths en fait, c'est pour ça qu'on attend le bouton. C'est mieux maths, hein. Sur un Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, tu me fais marrer. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah parce que... Sur un Oui, c'est ton vrai. Petit coup de gobelin, là. Tu stènes mentalement. Ah, je me sacrifie. Quoi? Pourquoi tu te sacrifies? Parce que je suis dans le gaz. Si quelqu'un pouvait activer ah, son duo. C'est bon, j'ai activé. Je suis descendu. Oh putain, merde. T'as du bol que je t'ai suivi. Oh là, flic. Oh. Je me sacrifie. Non, c'est bon. Ah bah, c'est bon. Pété. Ouah, c'est bon. Ouh. Bah, il a été activé. Il en manque encore un. Il est là. Allez! Stevie, ouais. Bizarre, reste là. Mm-hmm. Merci. C'est bon. Merci. Rechercher par ici. Yeah! Ça me met de bonne humeur de trancher des gorges et des corps. Yes! T'es vraiment une grande malade. Ouais, mais à côté de ça, cette nuit, je vais m'endormir en serrant. Et Nico, cette nuit, à côté de ça, tu vois, je vais m'endormir en serrant ma peluche de pantalon. Il y a une trousse de secours pour ceux qui veulent. Ouais, j'en ai utilisé une. T'es une grande malade, choupette. Ça compense, non? C'est ça. Ouais, ouais. Pourquoi on doit te protéger? Parce que c'est lui qui porte la qui. J'ai la clé. Sors. Next level looks okay. Let's go. Waouh. Ouais, je sais, ouais. On a quitté le fort de Fort Boyard, calme-toi Nico. Bah je sais pas, on allait récupérer des clés tout à l'heure et tout. Ah ah Pardon. Le sexe c'est consenti. Du coup t'as fait peur au chat, il était en train de dormir et tout là. Ah merde. Bravo. Si quelqu'un a des charges explosives, il y a quelque chose en bas. Mais j'aimerais bien descendre mais je ne sais pas comment on fait. Ah oui, les escaliers, c'est quelle bonne idée. Ah merde, on peut pas péter ça. C'est pas drôle. Par là. Psychopathe, tu ressens. Mais oui, c'est par là. J'ai la clé. On dirait l'elfe de Nullbuck un peu quand tu fais ça. C'était exactement ça et c'était une réplique de l'elfe de Nullbuck. Bravo Nico, tu obtiens une gommette. Est-ce qu'on peut se manier le cul pour désactiver le gaz à sa C'est bon. Bah okay. En même temps, je cherchais les clés en bas, j'étais obligé. Hein. Et t'aurais pu le faire plus vite, tu vois. Ta gueule. Non. Une bastos, je lui ai arraché la moitié du corps, quoi. Ah. Y'a du monde.
Allez, il n'y a pas assez de zombies. Il y a un flic, faites gaffe. Bon, de suite, les plus de 30 ans avec cette phrase. Alors tu te calmes, il y a que Veillet Brutal qui a plus de 30 ans ici. Ouais, ouais, de ouf, c'est lui le vieux. Putain, je l'ai one one le flic. Bien ouais, nous, on est encore jeune. On est dans la fleur de l'âge. Non, dans la fleur de l'âge, c'est moi. Non. Y'a si, dans la fleur de l'âge, c'est la quarantaine, je crois. La fleur. Bonne nuit, Ziggy Boom Boom. Salut Caro, des bisous. Des bisous, des bisous, bonne soirée, Ellie aussi. Son pseudo, on dirait littéralement une façon de dire crac crac, tu vois. Oui. Bon défouraillage, les phallus sélection. Ah bah c'est charmant. C'est charmant. À très bientôt, Caro et Ellie. Merci d'être passé, c'est cool. Faut soutenir le petit métalleux curieux. Faut soutenir les micro-streams. C'est ça. C'est comme les micro-pénis. Oui, c'est j'allais ça, le dire, je croyais que tu parlais de micro-pénis. C'est ça, soutenez-moi, soutenez-moi. Pas tellement, non. Ouh, bah salut les gars. J'allais dire un truc et puis je me suis rappelé qu'on était en stream. Je me suis retenu. Qu'est-ce que t'allais dire? On est plus trop à sa presse, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que t'allais dire, Bambi? Non. Vas-y, là, allez. Fais-nous rire, putain. Ah, ah, je vous le dirai après. Mais non! Ça révèle beaucoup de choses. Mais on s'en fout! Ah! Oh, allez! Je suis toute jaune. C'est raccord avec mon perso, du coup. Oh. C'est raciste! mais oui, raciste. Et c'est génial! Nous rappelons, pour le bien de Twitch, de ce live, que toute personne ne nous connaissons pas, si c'est passé par ici, que nous ne pensons pas un traître mot de ce que nous disons. Ah si, alors moi complètement. Moi, tu vas me faire avoir des problèmes. Le pire, c'est que ce con est un trolleur professionnel. Alléluia. J'avais pas fait gaffe que tous les zombies étaient en train de tomber là. Attention, flic, Lily. Je vais y arriver. C'est bon. Allez, voilà. Lily. Ouais. Allez, Lily, il faut monter. Mais... Oui, bah en fait, j'aimerais bien, mais j'avais un gros, un qui pue, un tout ça. Ouais, elle avait beaucoup de monde au cul. Oui, oui. Voilà. Quelle salope. C'est comme d'hab, c'est contre filles qu'on se nettoie les fesses. Hein. Lily, franchement, je sais pas ce qu'il faut. Mais vas-y, mais fais profiter. C'est clair. Fais tourner des culs. Je tiens à préciser que ces deux glands sont en train de s'astiquer chacun de leur côté et qu'on est là pour se soutenir. C'est beau, hein, la coéquipe. C'est bien la coéquipe, hein. J'en suis rendu compte en le disant. Oui, sur un live 18+, c'est qu'il n'est pas cassé les couilles. Oui, voilà. Je dirais même 28+, hein, parce que. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Bambi, à ce moment-là? Ah, attends, c'est un explosif. Bah oui, t'as pas 28 ans. Attention, explosif. Ah, je suis loin, ça va. I'm gonna blow the door, pardon, excusez-moi. Ouais, bah en même temps, c'est comme ça que tu dessines des portes, hein, Nicolas. Non, mais c'est... Mais oui, tu m'as très bien compris. Ouais. Ah. Souviens-toi comment tu dessinais une poignée de porte sur Scriblio. Corps entre filles, hein. Ouais, j'ai bien compris, t'inquiète. Non mais écoute, on a ouvert un container en même temps, cassez pas les couilles. Oui, vous savez, encore des kaboom, ça c'est bien un truc de mec ça. Oui, ouais, disent les meufs qui sont à la tronçonneuse depuis 2 heures quoi. En attendant, on est efficace. Qui est-ce qui tue le plus de zombies depuis tout à l'heure? C'est moi. Oui, bien sûr, allez, gros zizi. Oui, gros zizi. Ouais, c'est ça, toujours à comparer. Ah ouais, toujours à comparer. Non mais ça c'est les mecs hein. On parle de la concurrence entre meufs ou comment ça se passe? On est en concurrence, les... Non, on s'en fout. Mais Lisa, elle est en concurrence contre personne, de toute façon, à chaque fois, elle perd. Elle bâtard. Ouais, mais bon, je préfère perdre dans un jeu que dans la vraie vie. C'est pas faux. Y'a un lance-flamme lourd, Nico. You didn't get the joke. Près de Lily et moi. Ça arrive. 2 secondes, là, on installe tout. Bah ouais, mais ça arrive déjà.
Voilà, juste pour se casser les couilles. Allez, salut. Alors, je veux pas dire, mais on va perdre. Comment ça? Bah, ils sont en train d'attaquer la rame et je suis toute seule à la défendre. Mais non, t'es pas toute seule, on est là aussi. Voilà. Merci Nicolas pour ta bienveillante coopération. Ah, ça aussi c'est Nullbug. Mais normalement, la réplique normalement ce serait connasse. Quelqu'un aurait-il l'obligeance de je sais plus de quoi faire et... Non, j'ai envie de me pendre. Ça résume assez bien notre coopération du soir, je trouve. Tout de suite, défaitisme. Non, réalisme. Ils sont en train d'envahir la rame. Ils sont en train d'envahir la rame. J'avoue que actuellement, le conducteur de train doit passer son plus beau moment, son plus bel instant. Mais c'est quoi cette tronçonneuse... mitrailleuse trop mal placée, je peux pas la baisser, quoi. Trop mal placée, cette mitrailleuse. Elle sert à rien. C'est pas qu'il est mis... que... C'est probablement un des mecs. Forcément. Ah merde, ils sont des deux côtés de la rame cette fois, attention. Camille et Jordana avaient raison, les hommes blancs sont responsables de tout. De tous les maux de la planète. Alors, les hommes blancs, je sais pas, mais vous en particulier, oui. Ah d'accord. Oh, il faut un petit refil là. Voilà, nickel. Eh bah putain. Au top. La vache, c'était complexe, hein. Mais non. Easy. Madame, c'est parti, Raymond et Huguette. Team. C'est vrai. Huguette Team, ouais. Complot des reptiliens, hein, c'est ça. C'est quoi cette voix? La voix de qui en métalleux? Ouais, ça pour le coup, je ne sais pas. Parce qu'on est 4 en fait. Mais oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on joue à 4 d'ailleurs? C'est la première fois qu'on fait un truc à 4. Je crois, hein, ouais. Oh Nico, il a tué plus de zombies que moi ce coup-ci. Oh, je suis déçu. J'ai même pas regardé combien j'en avais. Tu en as tué 510, et j'en ai tué 433 et Bambi 365. Ah, j'ai pas eu le temps de dire pour Lily. Et après, on m'accuse d'avoir rien branlé, hein, sans déconner. Ouais, ouais. Du coup, le niveau max c'est 30, hein, c'est ça Bambi? Allô? 31. Ah, 31 toi? Ouais. Ok. Ah oui, c'est 31, d'accord. J'utilise pas d'arme automatique. Alors, personnaliser la classe, je crois que j'avais vu des trucs d'ailleurs, c'est intéressant. Ah oui, ça. Je crois que c'était ma voix, fais attention à ce que tu dis en métalleux, un ban n'est jamais loin. Mmh. Grave. C'est très vite arrivé avec moi en plus. Oui, mais là, n'empêche que, contrairement à ma voix, il a bien orthographié voix. Exactement, oui, bah oui, les voix de Bambi. Parce que les voix de Bambi, V-O-I-E-S. On peut tout faire avec Bambi. Hein. Bambit, Bambitler, Bambitch, Bambinatrix. On m'a entendu partir dans les aigus tout à l'heure. Ah bah, comme quoi, mon micro. À un moment, peut-être, ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ça va, elle a pas lu les autres, je déconne. Alors, m'avoue. Laisse-moi remonter. Il y en a un qui va avoir des problèmes. Grave.
Non, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, on parle clairement... Lila Lila. Bon. Lisa, qu'est-ce que tu fous? C'est qui, Lila? Welcome in hell. Ah! Ouh, loulou! J'ai plus de vent. Ah là là! Allez. Il joue avec toi, Risotto? Non. Le banhammer facile, c'est ça. J'imagine qu'il a dû aller ronquer sur le canapé. Le petit coquin. Ouais, ou dans l'escalier. Ou dans l'escalier, ouais. Ouais, ça déconne, on a une lucarne dans les escaliers, il se fout tout le temps là pour dormir. Mais du coup, oui, vous avez une maison à étage, si j'ai bien compris. Ouais. Bah, c'est ça, on a deux étages. Deux étages ou deux niveaux? Ah oui. Trois deux niveaux. Étages. Un rez-de-chaussée et deux étages. Putain. Oui, d'accord. Ça se met bien dans le 78. Ouais, non, mais d'accord, mais par contre, pour aller se coucher, t'as intérêt de pas te claquer les pattes, hein. Bon, ça va, les étages sont pas très hauts. Dans les escaliers, c'est bon? Ah bah oui, dans les escaliers, voilà. Nickel. Il se met sur mon dos et je le porte dans les escaliers. Je suis persuadé que c'est totalement vrai, en plus. On a testé. Ah, j'ai trois grenades fragmentées. Matt, il faut que je te porte. D'accord, bambinette. Mais sauf qu'il y a pas d'étage à monter, mais d'accord. Mais par curiosité, j'ai pas testé de voir si je pouvais te porter. C'est vrai. Bah, tu sais que je suis monté à 100 kilos quand même, hein, y a pas si longtemps, donc... Oui, ça passe. Oui, enfin bon, j'ai pas envie de te casser. Ouais, je suis monté à 100 kilos il y a quelques mois de ça, avant le confinement. Ah, quand même. Enfin, avant le confinement, ça faisait quelques temps. Je te garantis qu'il les fait pas du tout quand tu le vois debout. Mais en fait, tu te demandes où est-ce qu'il les a foutus. Ouais, bah, je sais pas, c'est que t'es très grand. Je fais 1m83, ouais. C'est pas très grand, tu vois. 1m combien, quand même? 83. Bah, c'est la taille de Nico avec 30 kilos. 30 kilos de plus, putain, la violence, quoi. Quasiment, je me sens très gros. Nico est filiforme, déjà. Non, mais c'est que Nico, il a que la peau sur les os. Ah, ouais, et... littéralement. Ouais, d'ailleurs. Non, t'es dans la vue. Arrête, je suis vachement costaud. Aïe. C'est bon. Je suis pas épais, ça, je veux bien l'admettre. Et pas que la peau sur les os, pas déconner. Non, si, si, t'es squelettique, même par rapport à mon frère. Attention. Vous avez exactement le même type, enfin vous avez le même visage, le même type de fil de. Disons de que si je mettais des leggings et une perruque blonde, je ressemblerais pas à ce que tu ressembles, quoi. Ouais, bah, heureusement, pour toi, franchement. Et non, Matt, il est vraiment taillé, enfin voilà, il y a du gabarit de base, donc vraiment ça se voit pas du tout, quoi. Non, non, j'ai juste du gras, hein, c'est pas non, du gabarit. Non, non, hein, arrête, arrête, t'as du gras. Non, mais... Bah j'ai un petit bidou, j'ai pris grave des cuisses. C'est fait prendre par derrière, hein. Ah ouais, t'as peut-être une grosse ossature aussi. Non, pas des masses, en ouais, fait ouais. J'ai souvent été assez maigrichon, hein. Mais en fait j'ai commencé à prendre du gras à partir de 30 ans, clairement. Me voir un petit peu avant. C'est Nico, classique, hein. Ouais. Nico, tu veux que je t'annonce le poids que je fais quand je suis considéré comme étant en sous-poids, puisque j'ai eu une période anorexique? Ouais. 60 kilos quand je suis en sous-poids. 60 kilos, hein. 60 kilos, mais t'es pas à sous-poids à 60 kilos. Ah si si, parce que tu voyais mes côtes, l'intégralité de mes côtes et de mon dos, etc. et tout. Attends, mais attends, attends, il leur venait pas. Là. Comment tu peux être en sous-poids à 60 kilos Parce tu que fais 2 j'ai... mètres de haut ou quoi? Non, pas. Et 1m67, mais le truc c'est que j'ai une ossature, mon pauvre, mes poignets laissent tomber, quoi. Putain, ils font chier ces ombards là, allez. Non, non, mon poids minimum, le poids minimum de santé que je suis censé faire, c'est 65 kilos. Lol. Normal. C'est pour ça que je me suis toujours considéré comme étant... Bah, même en sous-poids, j'avais l'impression d'être grosse et c'est pour ça que j'étais anorexique, parce que, bah... tout ouais, le monde était là bien. En mode, ouais, je fais 50 kilos pour la même taille que moi. J'étais en mode, bah, c'est pas normal de faire 10 kilos de plus, donc du coup, je m'affamais, quoi. Je bouffais des mouchoirs imbibés de jus d'orange comme repas. Bah, c'est la violence. La belle époque. Pareil. Ah oui. ⁇ 54 kilos pour 1m70 gigabang. Ah, ah mais t'es un petit clou, hein, Bastien aussi. Ah non, que moi à 60 kilos, je dépéris, hein, littéralement. Mais attends, il y a un truc qui m'échappe.
Bah, j'ai une ossature de malade. Elle est hyper épaisse. On avait fait, tu sais, t'as des espèces de balances qui te permettent de savoir l'IMC, genre le truc. De muscles, de graisse, d'os. Ouais. Et genre, quand j'étais monté dessus, et... parce que le médecin essayait de comprendre, tu vois. Quand j'étais monté dessus, le médecin il m'a regardé et il fait non. Genre, il admettait pas, tu vois. Il m'a fait bah non. D'accord, ouais, carrément. Ah non. Ah, je suis pas prêt de me péter en os. Hein. Oui. Creamer là, c'est bon. Ouais, c'est bon, je crois. Il gueule toujours ce con. Qu'est-ce que t'as gueulé là? Retourne au boulot, gilet jaune à la con. Voilà, il gueulera plus. Merci Lily. Ah non, c'est clair que je suis pas un petit gabarit. Les sacs de 50 kilos de farine, mon gars, je te les porte en 2-2. Ouais, mais à côté de ça, t'arrives pas à couper un saucisson, quoi, c'est délirant. Mais ça, c'est ouf, quoi. J'ai zéro force dans les bras alors que je porte des machins de ouf. Le livreur, quand il m'a laissé mes trucs là l'autre jour, il me fait par contre, je vais vous le porter jusque chez vous. C'est lourd, je fais oh, allez. Puis tu sais, je prends le colis, il me voit le lever, il fait ah bah, du coup, non, c'est bon. Les fumières, ah. La dernière fois. Le mec, il fait par contre, c'est un peu lourd. Je fais y alors. Il me fait ah bon, d'accord. Ouais, j'ai fait ok. Ah non, mais ils nous prennent pour quoi? Ouais. On n'est pas en sucre, hein. C'est ça. J'arrive pas à concevoir dans quel monde à 60 kilos tu peux être en sous-poids. Parce que tu as un poids minimum par personne et chaque personne a une morphologie différente. Oui, après j'imagine que ça va dépendre des morphologies, mais... Moi, j'étais en sous-poids et j'ai essayé de descendre jusqu'à 55 et en fait, j'étais tellement... on m'a dit, si vous descendez jusqu'à 55, on vous met la sonde alimentaire. J'ai dit, bon d'accord, ok. Je vais pas jouer à ça. Il y a du monde, il y a plein de monde. Ouais, effectivement, ouais. Putain, c'est dingue. Ouais. Sauvez mon cul. Et oui, quand je dis ça, notamment à des mecs ou des trucs comme ça, il y a un froid, tu sais. En mode, ah, d'accord. Bah, c'est pas tellement une question de froid, si tu veux. Enfin, en l'occurrence, vu que t'en parles sans aucun problème et que c'est passé, bon, c'est pas un souci. Mais, c'est plus un souci, en tout cas. Mais, c'est vrai, c'est juste un... La surprise de te dire. Hey, qu'est-ce qui lance des grenades là? C'est moi! Bah ouais, bah on l'a pris plein de gueule! Pardon! Ouais, merci hein! En bref. What the? Alors, il y a un zombie, il a fait un truc, c'était unique au monde. Il a rien compris lui hein. Il est complètement paumé. Il est passé de notre côté, il est repassé de l'autre côté, sous de la grille. Genre, il a réescalé dans l'autre sens. Il a eu peur de nous. C'est clair? Je crois. C'est des. Non! Y'a Bambi, t'es les zizi, je veux pas y aller. mais je vais décéder. Ah. Moi je me soigne. T'es où? Je me suis mis en hauteur. Ah oui. Bouton de commande de la RAM. Brutal. Ouais, je sais pas où il est. Hop, j'y vais. Je suis en Akimbo donc. T'as vu, ils osent plus monter. Je crois qu'ils ont peur de nous. Ils sont tous bêtes. Attention qu'ils puent. Hop, allez. C'est l'invasion pro-Trump pour l'investiture de Biden. En plus efficace. Ça s'appelle la galanterie. Mais m'avoue, dans un monde où l'égalité des sexes existe, la galanterie n'existe plus. Exactement. Ouais, après ça, on appelle ça juste de la politesse. Pas parce que tu tiens la porte à quelqu'un que t'es galant. Oh, bah, j'en ai rien à foutre, reste des merdes, c'est poufias. C'est ça. Non, mais tu fais la ça. La politesse, pour tout le monde, c'est en fait. Bien. La galanterie, c'est sexiste.
Exactement. Voilà. Mais bon. Tu sais que déconne. Attends, oula, oula, attends, il se passe quoi? Attends, Nico, mon clavier il répondait plus. C'est bon, Nico? Ouais. Vas-y. Je te couvre. J'ai eu un bug un peu similaire. Mais c'est vous bon, savez que ce que j'ai dit là, avec l'égalité des sexes, la galanterie ça n'existe plus. J'ai dit ça une fois en cours au Québec. Tout le monde m'a regardé en mode, mais c'est quoi ce mec? Non, non, mais t'as totalement raison, la galanterie, ça vient de l'amour courtois, et l'amour courtois, c'est juste une manière, on va dire, plus élégante de passer entre les cuisses d'une nana, donc... Tu vois, sans même aller jusque-là, c'est tu fais de la galanterie qu'à l'égard des meufs. Donc, si non, moi, c'est un comportement porte, que tu fais que face à une nana, c'est que c'est sexiste, enfin, je sais pas. Oui, c'est exactement ça, mais en plus, c'est même pas ça, c'est genre, en gros, les nanas sont des petits objets précieux, là. Oui, c'est ça. Ah, rien de fou. Je sais même plus d'où ça vient, mais justement, en fait, le prof, à un moment, me faisait une blague par rapport au fait qu'il fallait que je sois galant. Je sais même plus d'où ça venait. Et justement, c'est à ce moment-là, je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, avec l'égalité des sexes, la galanterie, c'est... Enfin, la galanterie, ça n'existe plus, quoi. Et il m'a regardé, je me suis dit, ok, ça y est, je suis cramé pour le reste de l'année. Mais t'as raison, en fait, c'est juste normal de dire ça, c'est... Et la politesse et la galanterie sont deux choses différentes, donc... C'est ça. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, mais c'est pas forcément la même chose. Quand je fais ta vaisselle, Bambi, c'est de la galanterie ou de la politesse? Non, c'est de la gentillesse. Oh. J'allais dire de l'esclavage, mais... mais non, parce que moi, je fais d'autres trucs aussi. Oui. Je fais pas tout quand tu le chez oui. moi. Oui, c'est vrai. Elle me mord, elle me griffe. Non, putain, ça. J'en ai marre de passer pour un monstre sur tes streams ou sur ceux de Nico, vraiment, j'en peux plus. Non, non, mais t'es pas un monstre. Bah non, mais bah par exemple, elle fait plus la bouffe que moi, parce que moi, faire la bouffe, ça m'emmerde. Ouais, moi, bah, tu vois, c'est pareil, hein. Tout à l'heure, on parlait de bricolage, et Lisa disait que c'était souvent elle qui le faisait, je déteste ça. Putain, c'est pareil. Et donc, du coup, bah, je m'occupe du reste. Oui, arme de combat avancée, oui. Ah, je joue. Ah bah si, je suis désolé, Lisa, hein. Quand il n'y a pas de bricolage à la maison, t'en branles pas beaucoup, hein. Le salaud. Sérieux? Oh ah putain ouais. Oh putain, ça va chier. Ça va chier chez les curieux. Ouais. Ouais. Tourelle. Hop. Capturer. Ah oh putain, c'est vrai qu'il y a des mines ici. J'ai pas vu la mine. Bambinette. Ouais, non, mais t'inquiète, je vais me soigner. Je vais juste clear le terrain. Non, mais attends, viens là parce qu'il y a une trousse de secours ici. Donc je vais te soigner et je vais récupérer le. Bah ouais, tu vas rien récupérer en fait. Oh non. Bah non. Oh non. Tu vas rien récupérer, désolé. Oh non. Bah, je comptais faire ça tranquillou, mais bon. Bah ouais, mais faut les faire avant. Ouais, ouais, comme d'habitude. Ah, attends, il y en a là. Et là, il y en a une là. Il vient là. Oh putain, la vache. Je l'ai vu sauter au-dessus de toi, celui-là. Ah ouais. Il y a un screamer, je vais essayer de m'en occuper. Putain. Mais gros bâtard. Derrière le container, en fait. Mais ouais, non, mais il est relou. Je peux pas l'avoir. Mais si. Ah si, ah oui, t'as trouvé le spot, bien vu. Allez. Non, il veut pas, en fait, visiblement. RIP Nicolas décédé ce samedi 16 janvier. Je vais interagir avec le machin. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, interagis. C'est parti, défends la position. Mais non. Ouais, non, mais la mauvaise foi, ça va bien 5 minutes, les gars. La mauvaise foi? Quoi? Bah ouais. Dire qu'on en branle pas une et que vous faites tout... Que... Non, mais on a rien dit, nous, c'est vous qui gueulez! Ouais. Nous, on est content de jouer avec vous et on s'en prend plein le fion. Putain, t'es marrante, hein, mais en début de partie, c'était vous hein, qui disiez qu'on en branlait pas une. Hein. Une game? On n'a jamais parlé de la vie de tous les jours, et en plus, c'est faux! Ah! Ouais, j'ai demandé des tirs de mortier, désolé. Yes. Ah ouais, bah allez-les prévenir moi quand même. Je savais pas qu'en fait ils allaient tirer aussi près de la grille.
Ah, il part mon Dupont Dupont. Si j'avais su, j'aurais pas... Ah. Je me sens trahi. Si j'avais su, j'aurais pas revenu, hein. Ah bah ouais. Allez, on va faire le ménage. Oh le flic, oh le flic, hop là c'est bon. Qu'est-ce que j'aime cette arme, putain, elle est tellement efficace. Bah c'est surtout que je lui ai tiré dessus en fait aussi, par derrière. Non mais d'accord, mais mon donc arme de combat avancée c'est juste abusé le truc. Toi plus, ah, la grille, la tourelle. C'est d'une efficacité ce lance-flamme. Attention Nico. Ah bah non en fait il est ah bah toi. Le lance-flamme, hop, streamer, ça nettoie hein. Traité. Oh la vache, c'est un bonheur. Ah le feu. Allez. Ah. Attention, grenade sur la grille, poussez-vous. La merde ce treuil de mes deux là. C'est clair. J'y suis, j'y suis. J'interagis. Putain, y'a le symbole inflammable et tout ça. Attention sur grenade sur les près de la grille. Ça marche pas. Encore une, attention Bambi, casse-toi. Ouah, trop tard. Parce que je l'ai déjà fait flamber en fait, tu sais, y'avait une mort en fait à côté, il a déjà flambé pour la première vague. Désolé. Oh c'est bon, je l'ai tué le. Ouh. Non mais si tu sais pas forcément, tu peux pas deviner. Hein. T'avais un flic juste. Il y a deux qui puent, ouais, attention, c'est bon. Hop, c'est bon. Eh ben merci. T'as vu? Il est accroché à la grille du coup. Allez, Liz, c'est mon Dupont Dupont. Bah, Bambi, t'es Lizzy en même temps. On est comme cul et chemise. Ouais, non mais. Et sur Among Us, tu vois, mais je la prendrais bien comme Dupont Dupont. Demandez un tir de mortier, qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, envoie. Cassez-vous les filles, cassez-vous! Ah? Ah non, d'accord, le mortier c'était. Si? Non? Ah, y'a re un screamer! Il est où? Re un screamer! Au même endroit que tout à l'heure! Tué ce foutu gilet jaune! Je le vois pas. Il est derrière les côtes, tu vois où je suis? Okay. Bah, oui, il est oui, toujours oui. Au même endroit. J'y vais! Putain, mais merde! Non, tu vas te faire chier, brutal. Tu vas te faire chier. Moi, je l'ai eu au pistolet. Hein. En tirant dans les interstices. Merde, qu'est-ce qui est down là? Non, mais j'ai eu un violeur et un CRS. Allez, on se casse tout le monde. Ouais, j'arrive. D'accord. Je voulais avoir le screamer, mais j'ai pas réussi. Y'a un violeur à tes pieds, Bambi. Ah. Oh. Ils sont mignons, hein. Bah alors, c'est bon, on y est là. Wouh. En même temps, ils ont tous des gilets jaunes, les screamers. Donc tu vois, j'ai fait une association. Bah oui, voilà. Non, puis ils ont des gilets... Ils ont dire, ils... En fait. Ah, ils, ils ont l'air un peu bêtes, ils sentent mauvais, c'est des gilets jaunes. Ah, y'a Rhinos qui est là, yes. Ah bah écoute, Bambi, tu vas pouvoir faire ta voix de téléphone rose. Bonsoir Rhinos, ça me fait plaisir de t'entendre. J'ai changé de micro, tu as vu? J'espère que tu apprécies. Oui, par j'espère contre, vraiment que tu apprécies. Par contre, c'est moche parce que je pense que je vais arrêter là. Oh, oh là là, quelle petite bite. Yes, 835 zombies tués. Incroyable. Ça... Bambi, j'imagine. Allô. Allô. Ouais, allô. Quoi? Oui, allô. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est passé. Oui, alors ton stream est en qualité ignoble chez moi, je sais pas pourquoi. T'es toujours là, Nico? Je sais pas non plus. Ouais, je suis toujours là, Ah yes, j'ai débloqué un niveau avec l'arme de combat avancée, yes. Yes.
sais que j'adore ça, Vampire, à mon avis, t'es en PLS devant ton clavier, là, si t'as pas déjà juté partout. Incroyable. Et du coup, là, on a fait tout New York, là ? Ouais. Ah oui, donc effectivement, c'est vrai que c'est... En vrai, c'est bien pour arrêter. On a fait tout New York ? T'es sûr ? Bah, je sais pas, là, on voit. Il y en a 4 d'émissions par pays. Je sais pas, ils vont mettre toujours New York, là, 5. Alors... 4 ou 5. Non, non, New York terminé. Hmm. Pourquoi mais épisode 1 New York ? Ouais, moi je suis à épisode 1 New York aussi. C'est peut-être parce que. Non, non, mais Nico est toujours. Non, parce que épisode 1, c'est tout New York. Ah oui, c'est tout New York. Il est à court de carburant piégé sur l'Hudson. Et on n'était pas sur l'Hudson. Ah oui, on n'était pas sur l'Hudson. On n'était que dans les métros. C'est pas terminé du coup. C'est pas terminé. Bah sinon, on finit New York. Ouais, sinon, on finit New York. Et après, on va coucher Nico. Bordé. J'ai pas dit que j'avais envie de dormir. Oh! Oh! J'ai dit que j'avais envie. Avec le chat. Laisse ce petit chat. Pauvre chat. Bah, c'est reparti. Oui. Ah non, j'ai pas une co de merde, mais ouais, je sais pas, le stream de Nico, il est devenu tout dégueu chez moi, c'est chelou. Non, il est nickel, il a pas bougé, c'est toi, en fait. Bah, ok. Bon, après, je m'en fous, là, pour le coup. C'est pas pour l'image, quoi. C'est plus la même Bambi, c'était mieux avant. Attends, Rhinos, si tu veux, je peux vraiment m'appliquer. Je peux y mettre beaucoup de cœur, si tu veux. En plus, son micro est excessivement bien placé. Oh oui, il est pile poil entre mes seins, c'est parfait. Quel enfer. Incroyable. Mais je pourrais me faire du poignet, moi. Ah oui, tu pourrais. Franchement, avec la boulangerie, avec tous les gros beaufs de merde, hein. Ah oh, putain. Eh, j'en ai une autre à te raconter, je te raconterai ça après. Ouais, super, je sens que je vais être ravi. Ouais. Ça va encore me donner envie de me déguiser en macaron avec un fusil à pompe dans le dos. Ah ouais, non, mais c'est bon, entre les grappes de cul, les remarques sexistes et j'en passe, j'en ai pas. Connard. Les grappes de cul ? Oui, oui, on va grabber le cul à la boulangerie. Oh. Il me faut péter des gueules, là. Bah ouais. Non, mais j'ai pas le droit, sinon je suis viré, en fait. Bah ouais, mais c'est ça qui est terrible, quoi. Enfin, le truc de client et roi, il y a une limite quand même, deux fois. Non, bah non, j'en ai qui me crachent à la gueule, qui m'envoient leur pièce à la gueule et tout. Enfin, pas dans cette boulangerie, mais j'ai bossé, enfin, j'étais responsable d'un pôle restauration en 5 étoiles, et bah je peux te garantir que, waouh! Dans genre, ouais, t'es dans les slaves. C'est comme aux pompiers, on a. Pareil. Ouais, bah c'est abusé, putain, vous sauvez des vies quand même, merde. Ouais. C'est je l'ai déjà raconté à Nico, des fois, quand tu dis à la personne, là, surtout en ce moment, là, avec les masques, avec le Covid et tout ça, et que là, tu dis à la personne, non mais remettez votre masque, s'il vous plaît, machin et tout ça, puis tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, et puis bah du coup, tu lui mets toi-même, en fait, le masque. Et puis que ça lui plaît pas et qu'il dit ouais bah lâche-moi vieille pute, bah bon ah, yes. Un moment... Ah ouais mais on a des trucs des fois c'est... Ça voilà, me fout même pas. C'est ça. Attention grenade. Ah putain bah ouais merci. Bah ouais mais en fait il y avait deux screamers donc Ah merde j'ai envie de prendre mon là. C'est pas grave. Ah mais Rhinos ouais tu descends de Belgique on y va tous les deux mec hein. Franchement, moi, je lui ai dit l'autre jour, elle confirmera, j'ai envie de me déguiser en gros macaron. Et, ouais, et puis de d'être dans sa boulangerie et puis d'avoir une batte de baseball. J'en ai un, sa spécialité, c'est de me faire changer sans arrêt de baguette dans la bannière des traditions. Parce que, je cite, j'adore voir votre cul moulé dans votre pantalon quand vous vous penchez. Bah, super. Ah. Ah, donc entre ça et puis les remarques racistes envers la petite collègue black de. Yes. Qui s'appelle Devaki, et ça fait un peu Dovakin, et je trouve ça cool. Ouais. Et du coup, ouais, Devaki, quand elle sert des gens et tout, bah t'as des gens, des fois, ils sont en mode « Non, mais je vais me faire servir par votre collègue, pas par vous. » Ah bah, ok. Ne prononce pas le mot, ouais, ne prononce pas le mot. D'accord. Et normalement, si t'as un patron intelligent, il vient et puis il dit « Non, vous allez pas en fait, genre... servir, en fait. » Non, mais le patron, il est méga occupé. Par contre, quand on a raconté ça à la patronne, elle a pété un well.
Il y en a un qui m'a fait une remarque sur mes tatouages, ma patronne elle l'a fait. Mais en fait, on vous en pose des questions. Wow. Allez, merci ah, madame. Mais c'est inadmissible. Mais oui. Les gens. Ouais, donc ouais, aujourd'hui, c'était sympa. Je me suis fait graber un saint aujourd'hui. Putain, son deck. Un saint, carrément. Dans le plus grand des calmes. En mode accident, tu vois. Moi, je crois que je lui grabe les couilles. Grave. Mais je te jure. Bah alors, ça c'est... fait quoi, gros con? Ah non, mais... Putain, mais c'est le genre de truc. Ah, mais c'est... Ah, mais aux pompiers, des fois, quand les gens, une fois qu'on les a installés dans le véhicule et tout ça... Et que bah du coup ils sont attachés, en fait on met la ceinture enfin sur le brancard et tout machins, ça. Ouais. Des fois les gens t'as envie de les. Ça arrive en bas, ça arrive en mars. Bah attends déjà on. Ah y a plus le violeur c'est bon. Oh. Mais ah ouais des fois. Dans les campagnes. Ils sont dans nos campagnes. J'imagine même pas, Lily. Surtout une nana dans un milieu de masculin de pompiers, j'imagine même pas ce que t'as pu entendre ou voir ou... Ah bah, tu... Alors, je crois le truc le plus drôle, c'est... Enfin, drôle. Remets-toi, Nico, les filles sont loin devant. Ouais. On part sur intervention, c'est un papy qui a fait un malaise... sur les toilettes, bon bah voilà, ça arrive, hein. Tu pousses un peu trop. Oui, quand tu choisis pas où tu fais un malaise. Quand t'es vieux, tu fais un malaise quand même, alors ah, là, oui, ça okay, arrive. D'accord. Et donc bah du coup on arrive et puis bah le monsieur était plus sur les toilettes mais en fait il était à côté donc bah forcément nous enfin vu que le mec était assis du coup enfin moi je fais la chaise en fait avec donc je pose le dos du mec sur mes cuisses pour lui servir de chaise en fait. Ouais. Sauf que pas forcément le mec vu qu'il était aux toilettes, bah il avait plus de pantalon, il est à walpé. Et puis papy il parle et puis le chapiteau s'adresse. Et puis il est tout dur. Putain, voilà bah quand il arrive Lily. Et ben c'est une situation un peu inconfortable on va dire. Ouais bah ouais j'imagine. Ouais. Ouais. Mais c'est ce que je racontais à. À Matt, je sais plus à qui. Nous, la vitrine à macarons, elle est en face du comptoir. Donc, du coup, bah, y a la file de clients, tu vois, si tu veux, quand tu vas chercher les macarons pour les gens quand on veut. Et du coup, quand il y a des hommes, genre, en vrai, sur 10 mecs, t'en as un seul qui se pousse pour te laisser passer. Et les autres, limite, ils s'avancent pour que tu sois obligé de te coller contre leur bassin et la vitrine à macarons. Ça les éclate. Ouais. Merci. J'en ai senti des choses, hein, au niveau des bassins. Moi je sais pas si j'ai cassé les côtes au mec mais par contre si tout le monde attend que ça interagisse ah vous avez pas vu je suis en train d'écouter j'étais comment une fois dans le métro j'avais un frotteur en fait et en fait j'ai attendu au démarrage du métro il y a toujours des petites secousses et j'ai attendu justement la secousse pour faire genre ah bah pardon, j'ai perdu l'équilibre et j'ai donné, je crois, le plus gros coup de coude de ma vie au mec. Hmm. Ah, t'as bien fait. Ah bah, il a gardé ses distances, ouais, mais il faut dans le même genre, j'en ai une, c'est un gars qui était en train de tripoter une gamine, sans déconner, elle devait avoir 10 ou 11 ans, la gamine. Ça se voyait au grand max, elle était en 6ème, tu vois. Et bah du coup, comme il n'y avait aucun mec qui réagissait et qu'il y avait zéro nana autour de moi, ben je me suis sacrifié quoi, je me suis mis entre la gamine et elle, j'ai passé un trajet, je m'en souviens encore. Ouais. Et personne ne réagit dans ces cas-là, bien sûr. Bah non. Mais... Les gens ont peur en fait. Mmh. Ouais, les gens ont peur en fait, parce que n'importe qui peut avoir un couteau. Genre c'est déjà arrivé effectivement que je me retrouve face à un couteau, pour avoir défendu quelqu'un. Mmh. Bon après, à l'époque, j'avais le cran d'arrêt, donc tu sors le cran d'arrêt, et couteau contre couteau, le mec, en général, il se calme, tu vois. Il se dit, ah merde, elle est aussi tarée que moi. C'est ça. Mais là, j'étais en mode, bon, bah, écoute, super. Trois stations plus tard, j'étais arrivée, cool. Ah, c'était longue, les stations. Ouais. Bon, j'ai mis au moins trois trucs de défense, là, c'est pas mal. On a signé la défense Ouais, vas-y. J'ai posé une tourelle et puis deux grillages. Donc. Attends. Trop tard. Ouais, mais l'autre il répond 10 minutes après que tout le monde, quoi. Donc à un moment, bon.
En pharmacie, m'avoue, la grande spécialité des pharmaciens, c'est de gueuler bien fort quand une nana vient chercher une pilule pour le lendemain, que, bah, en gros, elle aurait dû faire gaffe, etc. Yes. Classe. Yes, on adore. Classe. Ouais, ouais, ou quand t'as une contraception un peu bizarre aussi, ils aiment bien. Ouais, le gueuler bien fort et tout, et ouais. Puis t'as tous les clients masculins qui se retournent sur toi. Mais même. Le mec, il te regarde fixement. Même les pharmaciennes, hein. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, jusqu'au moment de la merde, le bluff. Ok, je te. I get your back. Et la pharmacienne en mode. Mais c'est pour vous, parce que ça, normalement, c'est pour les personnes. Enfin, voilà quoi. Et puis, bah ouais, bah vas-y, dis-le à tout le monde quoi. Enfin, genre. Affiche-moi. Ouais. Oh, quand j'étais allée chercher une fois une pilule du lendemain parce que bah vomissement, donc tu te doutes bien que la pilule à mon avis elle est rentrée puis elle est ressortie, tu vois, donc on va pas prendre de risques. Et bah le pharmacien qui était en face de moi, genre ouais, vous auriez pu faire attention machin, c'est irresponsable. Et du coup je l'ai regardé, je fais bah excusez-moi, je baise moi. Oh, c'est bon beau. Quoi, c'était bon. Putain, t'en déconnes, ils cassent les couilles ces abrutis, hein. Ils peuvent pas se mêler de leur cul, hein. Approchez-vous de la tourelle automatique et rechargez-la. Mais non, elle est chargée celle-là. Ce qui me fait beaucoup rire d'ailleurs, c'est que quand c'est un mec qui vient acheter des préservatifs, quand c'est une nana, elle a tendance à l'humilier. Et quand c'est un mec, au contraire, c'est genre c'est l'homme le plus stylé du monde, quoi. Tout passe sous le comptoir et tout, en mode t'inquiète, frère. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est. Enfin, c'est une honte. Ah putain de merde! Eh ben, j'ai de la chance. Il y a un zombie explosif qui a pété le violeur. Il s'est fait sauter. Putain. Flic. Ah, on est dans le thème, hein. Bah ouais, celle-là, elle était mignonne. Par contre, j'ai plus de munitions, je suis dans la merde un peu. Bah le flic avait aucune chance. Non. Il est tombé sur des hooligans, là. Je te jure. Bien. C'est qui a le pistolet de détresse, là? Faut signaler. C'est moi. Eh ben alors, c'est bon. Ah pardon. Ça me choque pas, Gigabang, ce que tu me racontes. Hein. Faut faire quoi du coup? Juste tirer en l'air comme ça ou? Oui. Non, tu peux rien faire contre. Alors, à savoir que en France, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, même si tu les dénonces, etc., à l'ordre de machin, au pire, ils auront un rappel à l'ordre. Et dans le meilleur des cas, on te présente des excuses et point à la ligne. Le nombre de gynécologues qui font littéralement ce qu'on appelle des viols gynécologiques, c'est hallucinant. Aller chez le gynécologue, quasiment toutes les femmes y vont à reculons, voire avec leur mec si elles peuvent, parce qu'elles se sentent plus en sécurité, et ils continuent d'exercer alors que c'est des connards finis. Donc tu peux dénoncer tout ce que tu veux au niveau ordre des médecins, même des chirurgiens qui font des actes que t'as pas voulu et tout, ils feront rien. C'est comme les profs, le nombre de profs qui ont eu des histoires avec des gamines ou même des gamins, ils sont juste envoyés dans les dom-toms. Ils continuent d'exercer. Ou alors on leur change leur matière. Attention. Ça. J'ai une prof de maths dans mon ancien collège qui est passée prof de sport, c'est bien logique, hein. Parce que elle avait été suspectée d'attouchement sur une fillette. Putain. On adore. On adore. Non, mais t'imagines, bon, ouais. Tu passes de prof de maths où t'es pas trop en contact avec la personne à prof de sport. T'as le droit d'utiliser le pistolet de détresse, hein, Lisa aussi. Mais je l'ai déjà utilisé. Ouais, bah tu vois que l'objectif il est pas parti, donc c'est qu'il faut le réutiliser. Ça me fait penser à un prof de sport qu'on avait au lycée. Sa spécialité c'était de récupérer les téléphones portables, non pas quand on sortait des vestiaires ou quand on y allait, mais quand on était dans les vestiaires, toutes les nanas en train de se changer. Et il restait pendant 5 minutes. 5 minutes, non. On était tous en soutif, etc. Puis il faisait le tour, hein. Il vérifiait bien, t'as rien dans tes poches. Mais sans déconner, mais c'est quoi? C'est dégueulasse là, c'est du taré. Moi, je me souviens surtout de sa très belle alliance au doigt et de la photo de son bébé qui était devant son bureau. Ouais, ça la fout mal. Ouais, c'est encore pire, je crois. Tu dis ça, célib, il est chelou. Bon, ok, d'accord, mais en père de famille. Même pas, bon, ok, d'accord, mais. Non, non, célib, il y a pas oui, de bon, okay, oui, non, mais. C'est juste dégueulasse. Et là, c'est carrément immoral, tu vois. C'est ça. Non, le pharmacien n'est pas médecin, m'avoue. Non, pas du tout la même formation. Pas du tout.
Le pharmacien, il fabrique des dosages, des médicaments et tout ça, et le médecin, il soigne. Enfin, la même chose. Ouais, et puis il y a le pharmacien et le préparateur de commandes et tout ça. Mm-hmm. Ouais. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas le même nombre d'années d'études. Oui, parce que, oh, par exemple, en parapharmacie, ils font zéro préparation, tu vois. Ouais. Voilà. Il faut juste savoir quoi vendre comme produit et ce que ça contient. Et pourquoi il a plus de tête et plus de... Bon, d'accord. On va pas chercher à comprendre. Ah non, j'ai plus de munitions de fusil à pompe, hein. C'est une catastrophe. C'est dommage. Ah bah, on peut rien faire pour toi, mon pauvre Nico. C'est fâcheux. Y'a pas des munitions quelque part? Vous avez pas vu des munitions? Bah, dans le coin, non, j'en ai pas vu tout à l'heure. Après, j'ai fouillé vraiment en speedouille. Soit il faut qu'on... Alors, on va se manger la horde sur la Quen, ça va être marrant. Non, mais de toute façon, y'a des munitions là-haut près d'un camion. Là, Nico, viens ici. Ouais. Ah yes. Ils sont déjà là. Attention, grenade vers toi, Bambi. Ouais, j'ai vu. Bah, qui a rejoint? Ouais, c'est qui? C'est Mavou. Alors, juste un truc. Si... Oui, non, mais Mavou, on joue! Mavou, on est en train de jouer, s'il te plaît. Et Mavou, j'étais lundi soir sur le stream d'un mec. Bah, le même gars des années de formation en plus. C'est pas la même formation, Mavou. J'étais lundi soir sur le stream d'un gars, le même gars chez qui je vais lundi soir. C'est un mec sur ses streams, il invite des gens pour parler de plein de trucs. Et il a invité un pharmacien. Et il nous a bien expliqué, le pharmacien, que pharmacien et médecin, c'est pas la même formation. Non, alors, c'est pas du tout la même commun, ça je le sais. Oui. Et à oui, un moment, oui. Guéri. Et c'est... Oui, ils ont été à l'école tous les deux. Il y a peut-être un tronc commun, oui, effectivement, il y a un tronc commun. Mais un pharmacien n'est pas médecin. Non, par contre, ce qui m'a fait tiquer, c'est pas des préparateurs de commandes, s'il te plaît, ça s'appelle des préparateurs en pharmacie. Oui, mais ça, tu l'écris dans le chat. C'est la même chose. Non, oui, c'est pour ça qu'on a dit que c'était pas la même chose en fait. Qu'on avait dit qu'il y a aussi des préparateurs. Attention, Bambi, casse-toi, je vais balancer de la grenade. Vous venez à la zone d'évacuation sinon? Ah putain, ouais. Oui, en effet. Bon. Personne n'en regarde. Désolé, mais c'est parce que c'est pour le travail de mes anciens collègues qui respectent la mort. C'est pas un travail facile. Allez, attends. Bim! Mavou, attends, stop, temps mort. Je parle des préparateurs en pharmacie. Mavou, à aucun moment. Mais on a dénigré personne en fait. Non, mais c'est que j'aime pas quand on confond les deux métiers. Ce n'est pas, je ne pense pas à dénigrement, bien au contraire. C'est que j'aime bien rappeler que ce sont des préparateurs de commandes, bien au contraire, et elles sont tenues au même secret que le pharmacien. T'as pas dit le contraire? Non, c'est que, excusez-moi, c'est que dernièrement j'ai eu le cas. J'ai bondi parce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps d'un gars qui dénigrait le boulot que faisaient mes anciennes collègues. T'as envie de dire, mais ta gueule, quoi, juste ta gueule, quoi. Non, mais effectivement, les gens qui parlent quand ils savent pas, c'est assez insupportable. Putain, bah, brutal, 800 kills. J'ai... Comment t'as fait? Nous avons 800 kills. Arme de combat avancée, mec. Ça me motive. Ah non, excusez-moi, c'est que... C'est vrai que j'ai fait genre 4 fois plus de kills que toi, Nico, c'est délirant. Je suis désolé. Je repars. D'accord. Par contre, j'ai au moins 20 secondes de décalage entre le live et... Oui, il y a du décalage. Il y a de la danse. Enfin bref. Bah du coup on a fini New York. Yes, cool. Bah du coup ouais, pas mal. On a bien, bien progressé tout le monde là. Ah, c'est bien, j'ai Lara Croft, elle est sympa comme ça. Mais elle a des petits bras quand même. Hein. Franchement. Alors, oui, nous sommes à Jérusalem. Un pharmacien, il est soumis aussi au secret médical. Oui. Il n'a pas le droit de juger ce qu'il y a sur une ordonnance, etc. etc. Même s'il y en a qui jugent, des fois. Et tout le personnel soignant, techniquement. Juger, c'est pénalement responsable. Normalement, quand un préparateur fait une connerie aussi sur une ordonnance, c'est le pharmacien qui prend sa place. Le préparateur est viré, faute grave, il ne pourra plus exercer, mais le pharmacien peut aller en pôle pour ça. Parce que dans les textes de loi, c'est toujours le pharmacien qui peut contrôler l'ordonnance. C'est jamais fait. C'est comme nous aux pompiers. Voilà. Si t'as un mort sous notre... Eh ben c'est... L'équipier, il prend grave cher, mais le chef d'agrès, il va en taule. Ah, c'est... Il y a des choses comme ça que tu connais quand t'es dans le métier. Attends, moi je vais couper ma VOD du coup. Au revoir la VOD, hein, ouais. Allez, Nick. Salut la VOD, bisous. Voilà, désolé, comme ça, c'est... métalleux, de mes séries qui vont savoir au quotidien.